Ah oui? Donc, plus de paramètres. Allô? Or, allô? Attends. Chaîne? Allô Twitch? Allô Twitch? Ça a été compliqué hein, ce qui vient de se passer. Re-Twitch. Latence faible, c'est ça? C'est ça. Ah, c'est ça. Okay. Donc. Bon, bah voilà, c'est fait. Donc voilà, donc je vous explique un peu. Est-ce que je suis bien revenu sur le Twitch game? Est-ce que les viewers peuvent confirmer que je suis bien revenu? Vraiment, je suis revenu. Ouais, t'es recours. Voilà, t'es vivant. Je suis vivant. Ah, it's ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Twitch? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu aller voir dans les paramètres où était la faible latence, mais éteint la cam. Mais il n'y a pas la cam. Il n'y a pas la caméra Albi. C'est trop chaud, les gars. Effectivement, elle est allumée sur l'ordinateur. Je l'ai juste cachée au sein d'OBS. Mais elle est éteinte. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en allant pour chercher l'option pour Percy, j'ai malencontreusement cliqué sur. Juste pour te stresser. Mais non, mais je vois le retour en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai malencontreusement cliqué sur déconnexion. Et oui. Du coup, ça m'a déconnecté de Twitch. J'ai voulu me reconnecter. Sauf avec la double authentification, je suis obligé de recevoir un SMS pour me confirmer le code. Et comme vous savez que je stream en 4G grâce à un modem, la SIM est dans le modem. Donc, no susai, le modem gère les SMS. Sauf que pour ça, il faut être connecté sur le réseau. Et sur mon PC, quand je stream comme ça, surtout un jeu en ligne, en fait, il n'y a que OBS qui est connecté à la 4G. Tout le reste du PC est connecté à la DSL. Donc j'ai dû désactiver la DSL. C'était la grosse merde. Et enfin trouver l'option. Et le chien qui... Ça y est, le chien qui pigne. Est-ce que j'ai pris le bon navire? Je crois que oui. J'espère que j'ai pas pris le mauvais. Oula. Ah ouais, il y a effectivement une très faible latence. Il y a 2 secondes d'écart pratiquement. Compliqué, vive mon 20 mégas. C'est clair, mais normalement, normalement la fibre avant Noël, hein, C'est donc trop c'est bien. vrai, Et c'est il y a 2 secondes d'écart, hein. C'est ouf. sur mon stream Maximum. ou sur le tien là. Sur le mien. Donc du coup j'ai mis aussi, et j'en ai profité pour mettre le mode faible latence Ouais. aussi. Donc on va voir, je vais faire un test et puis on va voir surtout. Alors de mon côté, le bitrate fonctionne, ça lag pas du coup. Du tout. Mais on va voir si ça pixelise pas un peu plus. Parce que du coup, il n'y a plus de mémoire en tampon. Et Oui, c'est possible que ça. Bah, si, ils l'ont dit, hein, ils le disent. Plus faible qualité. C'est j'espère que possible. la qualité sera pas trop. Ouais, pas trop moche aussi. Ouais. Sera pas trop moche. On va voir ça. Ça m'a l'air bien pour Et puis l'instant, si c'est de mon bien, côté. on restera. Donc. Je vais tester là. Honnêtement, de mon côté, c'est 1, propre. 2, 3, 4. Bon là je suis à 4 secondes, je vais faire un refresh de la page. Franchement, c'est trop bien. Hein. La Hop. faible latence comme ça, c'est une tuerie. J'ai effectivement relancé le stream et c'est tout seul. Ah. T'as dit, t'as la 1, couette. 2, 3, 4, 5. Bon, j'avais 4 secondes, là j'ai relancé, j'ai 6 secondes de décalage. Je ne sais pas. Je ne sais pas, à la rigueur, le seul truc, ça serait que Albi, tu balances un message comme le chat Twitch instantané. Et que je te dise lu. Et tu me dises il y a combien de temps que tu l'as envoyé. Donc j'attends Tu ton m'étonnes. prochain message. À partir de maintenant.
J'aurais peut-être dû lui demander de rafraîchir la page avant de. Peut-être, ouais. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Ah oui, du coup. Du coup, il y a tout à refaire. Moi, de mon côté, il y a 2 secondes maxi, quoi. Ouf. Ah, c'est trop bien, quoi. Peut-être t'es pas en train de te rappeler de qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 secondes à chaque fois, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est trop bien, quoi. T'as pas l'air d'être trop dégueulasse non plus le retour. Hein. Franchement, moi, de mon côté, c'est tout à fait honnête. Hein. Je vois pas particulièrement de différence. Donc, ouais, j'ai 4-5 secondes. Ça va. Toujours mieux que combien Ouais, entre 8 et 15. Ah, voilà. Bon. On gagne 10 secondes, quoi. Du coup, on n'est pas dans la bonne zone, je suppose. Je sais pas, je vais te dire, on est pour le 11, entre le 11 et le 20, il faut aller à Shark Bay Cove, et on est dans les bonnes dates, normalement. Nickel, on est 12. Et voilà, nickel. Je vais me full. Ça, j'aurais dû en profiter pour relancer le jeu et mettre les bons paramètres. Ah bah oui, tout à fait. Au pire, attends, je peux toujours te rejoindre. Hein. Je peux quand même le faire. Voilà, je le fais. Ouais, mais je préfère relancer le jeu. Ouais, parce que ce sera peut-être pas optimal, mais... Voilà, donc... Je fais panneau de config NVIDIA. Je fais... gérer les paramètres 3D, paramètres de programme. Je vais chercher CE6. CE6. Ouais, attends, on va changer le titre aussi, hein. Ouais, belge, je sais pas quoi. Faut pas décoller, hein. Je sais pas, faire du haut de crevettes, je vais remettre. Ouais, voilà. Ce sera bien les crevettes. J'aime bien les crevettes. Moi aussi. Salut Ophi, comment tu vas? On arrive, hein, je relance juste le jeu, je fais quelques paramètres. Donc t'as désactivé quoi, toi? Je te dis ce que j'ai mis. Ouais, attends, je vais chercher No Man's Sky. No Man's Sky, n'importe quoi, il est con. Merde, je le vois pas apparaître par défaut, Sea of Thieves. Il faudra que j'aille le chercher à la main. Ah, mais c'est même pas un ex classique en plus. Ah, il faut l'ajouter, ouais. Ah, il est là. Attends, je l'ai là. Donc, je mets quoi? FXA désactivé. Ouais, correction gamma activée. Ouais. Prenez l'âge désactivé. Ouais. Après, normalement, anti-crénage réglage, il n'y a aucun. Ouais. Transparence désactivée. Cache ouais. D'ombre activée. Attends, je peux. Ah, tu l'as peut-être pas dans le même ordre que moi. Attends, aussi, cache des ombrages activé ou désactivé? Activé. Activé. Cache des ombres. Ouais. Anisotrope. Filtrage anisotrope x16. Moi, j'ai mis, mais tu peux mettre ce que tu veux. Et je mets x16. C'est pour la distance d'affichage, quoi. LOD négative, j'ai mis autorisé. Et filtrage des textures, optimisation, échelonnage ou quoi, échantillonnage, j'ai mis activé. Ouais. Filtrage des qualités, haute performance. Ouais. Optimisation trilinéaire, activé. Ouais. Rafraîchissement le plus élevé. J'ai pas rafraîchissement. Ah. Fréquence de rafraîchissement, tu l'as pas. Du coup, mode de gestion d'alimentation. Performance maximale. Performance maximale. Avec. Multiframe sampled. Désactivé. Optimisation 3D activée. Là, OpenGL, bon, là j'ai mis ma carte graphique, mais. Moi aussi, ouais. Je sais pas ce que ça change vraiment, ça. Désactiver la synchronisation verticale, évidemment. Et là, ouais. Après, c'est utiliser les paramètres d'application 3D pour les deux. Et le dernier, mise en tampon désactivé. T'as désactivé la mise, la triple mémoire en tampon? Ouais. Et tram prétendue réalité virtuelle et maximum, t'as mis paramètres de l'application? Sûrement, je sais pas. J'ai sûrement dû mettre ça, ouais.
Je vais mettre utiliser paramètres de l'application 3D. Et l'autre, je vais mettre paramètres après, 3D. Après, tu mets comme tu le sens. Hein. Moi, ouais, non, on va voir. Voilà. Ok, c'est bon. Je relance le jeu. Donc, je rejoins. Qu'il est où? Il est là. Je le joins sur CSS. Ça, c'est. Je vous affiche le jeu en direct. Oh là là. C'est le futur. Hein. Voilà. Le futur est là, il est devant chez vous, il est devant votre porte. Génial. Dis-moi tout. C'est terrible. Ok, 200 FPS. Ah, c'est autre chose. Ça change tout, ça, en vrai. Ok, on a mis un. On vient de monter un kit 75 sur un scooter à MBK 70 là. Un kit 120. Cinématique, ça vous intéresse pas. Cinématique, vous l'avez déjà vu 10 000 fois. Ah, Re-Zozo, comment ça va? Bon, on va voir. Je vais quand même bloquer le jeu à 60 FPS derrière. Ah bah là tu les auras, oui, les 60. Ça modifie quoi? Ouais. Les paramètres bienvenue. Les paramètres d'NVIDIA, parce que le jeu tourne bien, c'est pas un problème, mais il maintient pas le 60 tout le temps, quoi. Alors après, bon, on n'y prête pas énormément attention, parce que c'est quand même un jeu, voilà, en multi, ça peut jouer. Y a une carte à gérer, quand même. Enfin, y a une partie de carte, parce que savoir que Sea of Thieves, vous êtes pas tel joueur sur une map, vous êtes tel joueur par zone de la map, ce sont des instances, en fait. Donc le fait de se déplacer sans temps de chargement, vous changez d'instance. Et comme Percy vient de faire des modifications, mais c'est pas hyper dérangeant. Mais bon. C'est quand même ça faisait comme No Man's Sky, quoi. C'est sympa, le jeu tourne en full ultra à 60 FPS, le stream aussi, et d'un coup tu regardes une fleur, et là tu descends à 35, et ouais. 10 secondes après ça revient à 60. Et tu fais putain, il s'est passé quoi? C'était une fleur. Une fleur en 4K, certes. Mais une fleur quand même. Comment ça va, Ophi? Donc, bon, bah là, le stream a redémarré, du coup, pour mettre le mode faible latence. Mais, ça fait 4h30 qu'on tente à deux seulement de buter l'event. On va y arriver, on va y arriver. Et on en est, franchement, quand on voit jusqu'où on est allé... on les baise. Ouais, on va se les faire. On s'en est fait 6 d'affilée à 2 sur un bateau qui joue normalement à 3 joueurs. Ouais, ouais, en vrai, ouais. Comme quoi... La taille fait pas tout. Voilà, je parie, fallait finir cette phrase. Alors, on va regarder vite fait les paramètres graphiques. Là, je tourne à 68 FPS. Parce que j'ai bridé. Enfin, j'ai activé la synchro verticale, évidemment. Je vais la désactiver. 71, 55, 47, 50, 53, 56, 61, 63. Bah, ça varie quand même énormément. Tu en as combien? Je sais pas, je suis en train justement de... Mais je tournais, je tournais à des 90 normalement. Donc, FPS count. Par contre, on va pas mettre la synchro, mais on va limiter à 60 FPS l'image. Et je vais quand même afficher voilà, les images par seconde du jeu. Parce que on sait qu'NVIDIA des fois merde un peu. Donc celui de NVIDIA pour moi je suis dans les 100-110. Enfin, comment tu fais retourner dans les 100-110 quoi? Mais t'as le jeu en ultra? Non, beaucoup plus bas. Ah oui voilà, moi j'ai le jeu en full mythique quoi. Ouais non, je l'ai pas mis en autant moi. Alors on va essayer de... Je préfère privilégier les FPS pour de descendre en légendaire. De la visibilité du stream. Alors là, évidemment. Tu vois, quand je stream pas, je me le mets à fond, tu vois, pour le kick, mais quand je stream, je baisse. Là, évidemment, donc... 60 et ça ne bouge pas. Bon, on faut qu'on va se. Donc, t'as commencé le jeu avant-hier. Bonne nouvelle. Surtout depuis la mage d'hier. Non, d'avant-hier. Non, d'hier. Hier matin. Ou avant-hier. Avant-hier matin, je sais plus. Bon, faudrait mieux faire un fort hein, pour se remplir hein, là. Ouais, on va. Donc, on est revenu dans la bonne zone ou pas? Eh ben, on. Alors, je sais plus. Ah, si, bah oui, toi t'as pas relancé le jeu. Ouais. Alors.
Fallait à chaque bay cove mon cul. Est-ce qu'on ferait pas un fort pas loin? Ah bah y'a Lost Gold. Fort. Lost Gold. On va faire plus là qui est. Ça vous dit pas de galion demain, ouest. On est deux nous. Mais en fait on a déjà du monde. Et là on. Attends avant de partir. Oui non mais je pars pas. Okay. Alors personnellement, c'est un avis personnel, mais moi je ne joue jamais galion. Ah. Je ne supporte pas ce bateau-là, il est trop gros, il est pas assez maniable, il est. Il est trop chiant à combattre et naviguer. Alors il y a des gens qui arrivent très bien. Hein. Mais moi personnellement je supporte pas. Donc c'est pour ça que je ne joue normalement qu'en sloop et maintenant avec le brigantin parce qu'il a une bonne. Un bon bateau. Et surtout avec l'event là des navires. Où tu joues où je meurs tout le temps. Là pour les navires, ce week-end normalement, tu nous rejoindras au fils si tu veux. Y a pas de souci, tu viens et on essaye de se demander en ami partout pour que tu viennes avec ton pote. Tu viennes à. Attends, comment on pourrait faire? C'est soit tu viens avec ton pote et vous faites un sloop comme nous on a là, ou un brigantin à deux, qui est un peu plus chiant mais ce qui est possible. Ou alors, vu qu'on normalement on a deux autres joueurs aussi, ça te fera séparer de ton pote. Ou non, peut-être pas forcément. Vous vous foutez sur un brigantin avec un de chez nous. Parce que l'event là, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'être à plusieurs bateaux dans la même équipe qu'un seul gros bateau où on est tous ensemble. Ouais, en double sloop. Voilà, en double sloop ou en double brigantin. Là, y a pas de souci, on se fait une alliance tous ensemble ce week-end ou demain. Et là, on y va, on les défonce tous quoi. Ouais, clairement. Mais après, le galion, je ne le jouerai à la rigueur que si on y va, mais pour foutre le bordel sur la map pour déconner. Pas pour jouer vraiment sérieux. Et pour jouer sérieux, je trouve que non, le galion il est pas OP. Donc on a. Là on va sur le fort, faire le plein. On a déjà fait l'event en brigantin. Et nous pas encore. Putain, on a pas réussi à le. On a buté 6 ou 7 en un combat navire fantôme, mais on a pas réussi encore ça à buter le dernier. Ça a pas mal bugué. Ça a pas mal bugué, faut dire aussi. Ça a été relou. Justement, ça fait 5 heures qu'on est dessus quoi. Le problème c'est qu'on arrive très vite à court en fait de. Eh merde. Ouais. On arrive très vite en fait à court de boulets et de planches. Mais effectivement la technique OP d'aller foutre un baril de poudre dans la soute, tu le one shoot quoi. On était avec deux autres équipages. Ah oui, alors que nous on est vraiment tout seul. Nous on est vraiment tout seul. On est à deux, ouais. Et on était à deux sur un brigantin. Et on a réussi à arriver au dernier bateau. Et le problème, c'est qu'on a dû aller se ravitailler. On y est allé. On s'est ravitaillé. On le voyait toujours au loin. Et au moment où on est arrivé, ça a changé de jour. Et on est arrivé à la fin de la date de l'event. Et du coup, on devait changer de zone pour tout recommencer. Et on a décidé du coup de relancer le jeu en sloop. Ouais, la haine, mais comme quoi, c'est possible. Seulement à deux, c'est possible. Surtout si t'as des barils, ou si tu t'esquives, si t'as assez de ressources. Ouais. Pour ça, là, on va en fort. On va se gaver comme des porcs de... Faites quoi au fort? Là, on va se ravitailler, là. On va... Planche, un peu de boulet, voilà, full planche. Les barils de poudre, le plus important. Normalement, sur un fort, si tu tombes sur un bon fort, t'en récupères au moins 6-7. Et c'est la vie. C'est vraiment la technique OP quand vous êtes vraiment pas beaucoup. C'est s'il y en a un qui spam pas mal au canon et l'autre fout un baril, t'es quasiment sûr de one shot le navire. Quand il commence à spawn par deux, là ça devient un peu plus chiant. Mais c'est possible. On a tenu hein, donc on a tenu, on l'a testé deux fois. Avec même un mégalodon qui nous... Et avec un mégalodon en plus sur le lot. Et ce qui est le plus marrant, c'est que moi je connais le jeu depuis... tiens, regarde, un autre background de poule là, c'est cadeau. Je connais le jeu depuis les 4 premières bêtas. Mais je l'ai pas poussé à fond. J'ai un pote qui sera avec nous. Qui a fait beaucoup de galions en multi-online. Et qui est assez haut level. Et avec qui on a galéré une heure après la mise à jour... Pour ne serait-ce que buter le premier navire. Alors que Percy a commencé le jeu hier soir. Et on tient vachement bien.
Donc, question de l'organisation. C'est le partenariat aussi. C'est le partenariat de deux streamers de légende. Et voilà. Tout le monde connaît. Ah oui, tout le monde connaît. J'ai réussi à regarder son sérieux à part une connerie aussi grosse, mais... Moi, je vais monter un baril déjà. Donc là, on va se par full contre, stuff. Le partenariat, ça, c'est pas une connerie. Attention. Buff toi Nico, zéro skill. Super mode. Nico, il te bannirait, il entendrait ça. Oh là là, le ban mic. Mais il pourrait pas. Ah. Un modo peut pas bannir un autre modo. Du coup, pas de ban mic. C'est-à-dire qu'au pire, il va essayer de le TO. Il va le TO 10 secondes. Et en fait, ça mettra bien machin à TO machin. Sauf qu'il pourra quand même parler. Voilà, timeout ne servira pas à grand-chose. Et non. Un de canon. Ah, deux barils ici. Dans le fort lui-même. Ouais, j'en ai posé un pas loin. Normalement, je sais pas si tu l'as récupéré. J'ai peut-être pas vu, surtout. Je le vois plus non plus, du coup. Je suis pas sur le retour de toute façon, donc. Même si je l'avais vu, je l'aurais pas pris tout de suite. Là, voilà, c'est bizarre, hein, mais le jeu tourne bien à 60 fps. J'ai l'impression qu'il est pas fluide. Ah oui? Mais sur mon écran. Sur le retour stream d'OBS, enfin sur le sur, ouf, ouais. Sur Twitch, il est fluide de ouf, et sur mon retour OBS, il est fluide de ouf aussi, quoi. alors que mes deux autres écrans, c'est des dalles VA de merde. Alors qu'au milieu, c'est un LED. Mais même les couleurs, hein. les couleurs sont 10 fois plus belles sur des dalles VA que sur un LED, hein. Sérieusement. Le LED, il est trop lumineux, quoi. Je vois pas le bateau. Je suis en train de parler en même temps, du coup je suis déconcentré, je vois pas ce que je fais. Comme ça. Comme ça. Ah oui, t'es là. Il est où le bateau? Bah, je sais pas. La gare est où? Un peu plus loin. Il y avait pas de place, tu sais. Ah, il est là. Il est par là. Plus à droite, là. Il est par là. Comme ça. Comme ça. Salut Zozo, merci d'être passé, merci du follow. Merci. Tu es désormais un tétard, tu peux le rajouter à ton CV, ça te fera moins 20% sur ta prochaine facture EDF. Ça c'est important. Ou Steam. Ou Free Mobile. Ou comme tu veux. Mais pas tout cumulé. J'aime pour ce. J'aime pour ce. Moi j'aime ça. Qu'est-ce qui se passe? Je dois y aller, l'eau. Ça marche. Ça marche, l'eau. As-tu vu le voyage que tu dois faire? Ça me vautrait la gueule sur la pergola. Ah. Eh oui, on fight pas tout de suite. Hein. Ça demande une préparation, un fight. Ah, il faut une préparation. Hein. Voilà. C'est chiant que les cochons crèvent dans les cages par contre. Non, ils crèvent pas. Parce que s'ils crèvent, c'est parce que soit tu leur donnes pas à manger, soit tu les mets dans l'eau et ils se noient. Quand t'entends là, le cochon qui commence à... Tu lui sors une banane, tu lui donnes une banane. Parce qu'il meurt de faim ton cochon. C'est les seules bestioles qui demandent de la bouffe. Les serpents, les poules, après tu peux faire ce que tu veux avec, ça s'en branle. C'est le petit type. J'aime ça. Le petit type de stream que je te file. Ben ah putain, c'est incroyable comment je vois hyper fluide sur OBS et sur le Twitch. Et comment moi, sur l'écran, j'ai l'impression qu'il. Le pire, c'est que je suis même pas en full écran. Ah? En fenêtré parce que sinon l'overlay risque de cacher une partie du jeu. Peut-être pour ça aussi, non? Peut-être pour ça. Je pense c'est sûrement. On va essayer. Pas en plein écran. C'était pas en résolution native. Plein écran, 1080p. Sûrement cette raison. Ouais, effectivement, ça a l'air plus fluide.
J'ai rien, j'ai pas trouvé plus. Je suis. Voilà. Pas ouf ce fort. Non, j'avoue. Non, ça a l'air j'aime plus fluide. Ce... C'est. Une image. Hein. Peut-être que si je bridais le jeu à 90 fps, ça serait mieux. Ouais, oui, tu peux. Après, tu peux toujours réactiver la synchro verticale. Tu sais, tu le fais sur la carte graphique et sur le jeu. Si je l'active sur. Genre. Désactiver. Là, je tourne à combien là? J'aime ce. J'aime ce. J'aime pas ce, le. D'accord, oh, alors j'active. Ouais, mais si. J'active la synchro du jeu, comme je l'ai désactivé. Ouais, il faut faire les deux. Voilà, je l'ai désactivé, du coup, il me fait tourner à 80 fps. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir de tearing. Par contre, le jeu est 10 fois plus rapide. Ah. Donc, c'est beaucoup mieux. Attends, c'est beaucoup plus génial. Alors. Plus génial, incroyable. Y a rien, y a que de la merde dans ce fort. Ouais, y aller. Tu full. On a combien là? Comment ça? On a combien en stock? Ouais. 60 et. Ok, bon, on a 79 boulets. Pas foufou, hein. 40 bananes. Et 41 planches. Waouh, ouais, c'est pas énorme. Hein. C'est léger. C'est léger, mais on va faire un autre fort à la limite. Parce que là, y a plus rien. Juste que je retrouve le bateau. En boulet et en planche. J'aime ça. J'aime ça, le. Ouais. Il est où le bateau? Le bateau. Le bateau. Ah oui, là. Et mon bateau. C'est le plus beau des bateaux. Après, je suis pas allé voir dans les tours de garde comme un connard. Pas normand. Pas normand. T'es allé voir toi? Non. Dans les tourelles. Je suis pas allé voir. Je vais aller voir. Y a pas l'air d'avoir d'échelle non plus. Toujours les échelles. Bah, allez, j'y vais là. Putain, je suis plus normand ou quoi? Les boulets sans roue. J'ai l'impression de redécouvrir le jeu alors que je sais pas combien d'heures dessus quoi. Pas normand. Je vais y arriver. Ah mais là je sais pas, y a pas l'air d'avoir d'échelle hein, comme je disais. Trop de choses en même temps quoi. Non. Mais si y'a une échelle, qu'est-ce que tu fais? T'es où là? Où t'es? Y'a pas d'échelle. Où c'est que t'es donc? Je suis près de la tour là que je... Ah oui putain ouais, comment c'est sûr qu'il y a pas d'échelle sur celle-là? Y'a pas d'échelle. Je glitchais. Bon, vas-y on tente comme ça au pif et on verra bien. J'aime pas ça. J'aime pas ça là. Et le 13. Bon, je pense pas que j'irai me coucher. Hein. Alors, c'était quoi? C'était où? Maman, faut bien se régler de toute façon. C'était où? C'était où quoi? T'es là ou t'es pas là? J'ai mis un point, j'ai mis un marqueur. Des choses à acheter en prio avec les golds ou juste des skins? Y'a que des skins dans le jeu. T'as aucun buff parce que c'est vraiment que du visuel. Donc, tu te fais ça, plaisir. C'est bien. Tu te fais j'ai plaisir. Ouais, ok, bon, c'est full tout droit quoi. Ouais. Pour tout ce qui est skin bateau, je te conseille de pas le faire tout seul. De le faire avec ton pote. Genre, il y en a un qui achète les voiles, l'autre qui achète la coque. Parce que c'est quand même hyper cher. C'est très très cher. C'est les skins les plus chers du jeu, c'est les skins de bateau. Rien que la coque, c'est 50 000 minimum. Et ça monte jusqu'à 150 000. Donc c'est très très cher pour qu'un seul joueur achète la coque à 50 000, la voile à je sais plus 20 ou 30 000. Ça fait très très cher, surtout que ça n'améliore pas le bateau, hein, à part le visuel. J'aime pas ça. Et après ce qui est skin d'habit, c'est à toi de voir, ça c'est comme tu le sens. Alors après fais bien gaffe. C'est que depuis quelques mages, avant, normalement, dans toutes les boutiques de tous les avant-postes, ils te proposaient d'acheter des skins et tout machin. Maintenant, c'est pas les mêmes suivant les avant-postes. T'as des avant-postes où le mec va te vendre tout ce qui est fond de cale, toutes les variations de fond de cale. Par contre, il aura pas les tenues impériales, les tenues de baron. Faudra que t'ailles dans un autre outpost. Ce que j'aime bien d'ailleurs, je trouve que c'est bien ce point. L'URP. Je me saoule. J'aime ça.
Bah écoute, on va arriver dessus là. No susai, Yofi. J'allais me chercher un petit café là. Après, c'est un jeu qui a une mécanique assez rapide, donc une fois que t'as pris les bails. Les beaux. On dit les beaux. Et on va être dessus là. Je vais mettre full. Un bail, les beaux. Mettre full planche. Full banane. Full boulet. Shark bacon. Charger les boulets. C'est moins chargé. Ah, nickel. Les boulets sont chargés. Chargés sont boulets. Un peu à droite. Oui. Un peu à la droite. Les gros gamers de base, donc ça va, on se débrouille en fait, etc. Ah bah oui, après ça va vite. Donc le jeu en fight demande pas un énorme skill, quoi. C'est pas parce que t'as un DPI plus élevé. On n'est pas sur CS, quoi. Oui, on n'en est pas là. Hein. Surtout du PvE. Voilà. Bon, alors il est où le connard? Norman. Norman. Hey. Dans la flotte ou quoi? Tombé dans l'eau? Hey. Hey. Bon, hein. On merde un peu là. Crâne, tout ça, ça vient ou pas? Quel enfer du cul, quel enfer. Calme-toi. Quel enfer du cul. T'es sûr que c'était là? Oui. À l'ouest de Shark Bay Cove, on y est. Après j'ai mis un marqueur, mais tu sais comment ça se passe, faut tourner un peu autour. Ah ouais, on y est. Pas normal. Et c'était du 11 au 20? Ouais. Ok, bon, on est le 13. Écoute, ça devrait bien se passer. Fais de la claquette un petit peu là. Quel joyeux hurlement au personnage, je l'aime bien. Bon, Bah y'a rien. Mais c'est quoi ce bordel? La partie elle est buggée ou quoi ou encore? De la triche. C'est de la triche. On est pourtant dessus. On est pas un peu près, non? Non, même pas, on est assez loin là normalement. Ah, après, ouais, peut-être qu'il faudrait, je sais pas, genre. Normalement, on est à la bonne distance, hein. J'ai l'air là, mais. Ça changera pas. C'est pas celui-là qu'on avait fait bugger aussi hier? Si, c'est celui-là qu'on avait fait bugger. À la base. Ah, normalement. Allo, attends, c'est bon, j'appelle Rare. Vas-y, appelle-les parce que même Rare. Faut leur dire. Votre jeu il est bugué du cul. Allo, Rareware? Oui. Votre jeu il pue trop du cul. Il est tout voilà. Cassé. Faut le réparer, oui. Hein. D'accord. Il nous envoie une édition collector si on dit du bien du jeu, c'est bon ou pas? Ah bah, évidemment. OP pour la manette Xbox alors avec le code promo pour avoir les putains de skins pété. Ça marche, d'accord. Des bisous. Des bisous, hein. Colissimo, direct. Sous 48 heures. Alors, qu'est-ce qui est incroyable ce jeu? Moi, j'ai jamais trouvé d'aussi bonnes sensations de gaming. Ah, je retrouve mes sensations. Et ben, l'eau, elle est beaucoup moins ouf en légendaire qu'en mythique, hein. Ah oui. Ah putain, ouais. Y'a même plus les. Y'a pas les reflets, tu sais, les reflets de lumière, de soleil, là. Ouais, bon. Bon, on s'est fait baiser sur la marchandise ou quoi? Bah, je sais pas, là je suis parti à l'ouest, on va tracer à l'ouest jusqu'à ce qu'on tombe sur quelque chose. Hein. Ah, il y a des barils à droite. Barilla. La qualidad.
Et qu'est-ce qu'on ferait pas plutôt de genre un jetage d'encre et voir un peu ce qu'il y a dans les balises là. Attends, faut que je me vide. Ouais, on va vider le... Voilà. Ah mais je suis bloqué, je suis glitché ou quoi? Barilla. Barilla. Artisan de la qualité. Artisan de la qualité. Si. Si. Peccato. È la pave. È il villaggio incongru. La... incongru banana. Il y a la full planche. Ah, des planches, ça c'est bien. Et des planches. Ah ouais, putain, il y a 30 planches là. Plus celle qu'on a sur nous. Ça c'est bien. Bien fait de s'arrêter. Eh, hey, du bateau. Waouh. Que... que... Par contre, on change de région. Ouais, mais je crois qu'on est dans la région où ça spawn, justement. Enfin, en théorie. Claire. C'est clair. Cool. Il y a rien. Là, de la planche, j'imagine. Ouais. La planche. Et là, de la planche. Il reste deux bananes. Bah, il faut de planche. C'est bon, les bananes c'est pris. Il reste encore des planches. C'est ça. Il y a vraiment deux secondes d'écart, quoi. C'est trop bien, quoi. La tisane de la qualité. La tisane de la qualité. C'est vrai que c'est quand même n'importe quoi, 5 planches quoi. J'avoue. Lui le Ease. J'avoue. Il en reste encore 6. Quoi là-bas? Non, c'est l'épave là-bas. Hé hey. Vous là-bas 11 au total, 11 planches. Ah, il y avait un baril à côté là. Ouais. Bon, est-ce qu'on se fait chier pour repartir pour en chercher une? Je pense que non. Non. Voilà. Je dis non. Et qu'est-ce que je fais, putain? Et comment je merde avec les mouvements là. Va y arriver. Pas de panique. Mais je regarde toutes les fenêtres, tous les écrans en même temps et du coup je suis perdu. Oui. Comme une grosse merde, connard même. Normal. Question de voir Jean Kéké jouer au jeu là. Bon, c'est de la merde. Ah. Ça fait baiser là. Un petit peu, oui. On est dans la place, hein. On est dedans, hein. Moi je dis full demi-tour. J'aime ça, le. Avec l'encre est là. 81 planches, c'est bien. Oui, c'est bien. Moi j'aime bien ce genre de bail. J'aime bien ça le. Bon, on peut mettre de la voile. J'aime bien ça le. Dans l'autre sens. Bon, qu'est-ce qu'ils foutent les navires maudits là? C'est quoi? C'est parce qu'on est en sloop? On sloop, on pue du cul? Non, c'est pas ça. On l'avait fait comme ça l'autre fois. On l'avait fait en sloop? Ouais, la première fois on l'avait fait en sloop, ça avait fonctionné. Ah oui, c'est vrai. Bon, ils étaient full buggés. Ah, ils étaient full glitchés, il y avait aucun squelette sur le bateau. Le bateau faisait que se déplacer, il tirait pas. Et il venait de mettre le patch, lui, donc bon, c'est peut-être pour ça. J'aime ça. Alors que les barils là, à droite. Baril. Bah, c'est les mêmes, en fait, je pense. C'est que ça m'a fait demi-tour. Pourtant j'avais demandé avec Nico, parce qu'on savait pas,
Je pensais que c'était aléatoire et que ceux qui t'indiquaient où ils étaient, c'était des légendaires, tu vois, pétés pour l'event. Mais qu'il y avait quand même des navires aléatoires qui spawnaient un peu partout, comme le Kraken et le Mégalodon. Et on était allé voir des streams FR et le mec nous disait, nous on a galéré à trouver. Et c'est vrai qu'on nous on l'a vu, que quand t'es pile à l'endroit, putain, en 10 secondes, le truc se déclenche. Ouais. Donc là, je comprends pas pourquoi ça se déclenche pas. Et demi-tour, hein. Full west, hein, on va réessayer. On était vachement plus près des rochers la dernière fois, non? Ouais, ouais, mais bon. Je sais pas trop ce qu'il faut faire, là. Faut faire le... Ah si, elle est reflet là, je vois les reflets d'eau. Là. Ouais, y a pas de soucis, Ophi. J'aime pas trop ce qu'on voit là. C'est quoi qu'on voit là? Bah rien. Ah oui. Terrible. Oh le, pas seul le. J'aime ça. Je vais quand même activer la synchro dans le jeu. Je vois qu'il tient bien le stream, mais des fois il. Non, il y a deux frames, il. Bah, elle est déjà activée. Bon, je vais bloquer à 60 alors. Je pense pas que je streamerai du Lucius. C'est-à-dire que là on s'emmerde quoi. C'est un peu ça. Ouais. Ah, ça y est. Ah. Le v'là. Je pense pas que j'en sais vrai. Et je vais déjà monter là-haut. Je vais mettre un baraque dans sa gueule à lui. Allez. Ok, à droite. Salut Falicias. Des bisous. Allez, tourne-lui dessus. Ok, Percy, partie glitchée. Hein. Ah ouais? Ouais, y'a pas de squelette dessus. Trop bien! Voilà, donc là, zéro squelette, donc le bateau ne se défend pas. Donc, bah, free. Donc ça va être crème. Donc, tu quand même, tu lui fonces dessus. Ouais, je remanœuvre. On le voit bien, y'a pas de squelette dessus. Même les squelettes des ombres, on les verrait. Là, on voit qu'il n'y a aucun squelette. Un bateau à votre mesure, lol. Ça c'est faux parce que c'est vraiment de la méchanceté gratuite. On a prouvé qu'on a été des valeureux guerriers. Et... Oui c'est vrai. Voilà. Pas gentil. Il va vite, il va poc. Il va poc. Il va taper. Il poc. Paf. Là faut en profiter. Ah putain, ça passe pas, mais il a poc de toute façon, donc normalement... Ah putain, je vais pas... Si, je passe. Hop, donc là, pas de squelette. Easy win. Easy clap. Tu descends. Ah, j'ai pas eu le temps de remonter. Là, tu te poses là, tu regardes si t'es à poil. T'es à poil. On t'en profite pour piquer des boulets. Là. T'en profites pour piquer... T'en profites pour piquer des planches et des... Là c'est banane, on s'en branle. Alors les planches elles sont où? Ça te permet de découvrir un peu. Formons une alliance. Ah oui, on a pas mis le pavillon. Hop, petit coffre de capitaine. Voilà, easy win.
Très bien, chef. Camarade. Faut qu'on aille mettre le pavillon Alliance. Je le mets là. Salut, c'est pas drôle. Tu prends ton baril. Tu te mets devant la marche. Et paf, paf. Tu barres vite. Boum. Et là, c'est bon. Comme il n'y a pas de squelette, ils peuvent pas réparer. Et donc, c'est bon, il est mort. Je mets quel pavillon? Tu mets le pavillon. Fais créer une alliance. Et maintenant, t'as plus qu'à regarder où est ton mate. Qui est là. Et là, tu sautes. Alors, tu sautes pas si profond que ça, quand même. Et là, t'as glitché le jeu. J'ai fait rejoindre l'alliance. D'accord, donc normalement t'as eu un pop-up pour dire qu'on a rejoint une alliance. Bah, j'ai rien reçu. Oui, ah bah c'est un français. Ouais, il a dû former une alliance. Ah oui, c'est vrai. Tuto explosion. Français. Tuto surtout, comment niquer un bateau d'event quand il est glitché, qu'il n'y a pas d'ennemi dessus. Ah. Prends ton coffre. Ah, celui-là il tire. Non. Non, c'est le même. Voilà, et là le navire, cool. Il est pas en train de prendre des trucs à nous là? Non, il est là. Ah si, attends. Ah, je sais pas. Non, il a un saut, il est copé. Ok. Ok, il a. Ah, bah, là, on a eu le truc. Fais juste gaffe qu'il pique pas notre coffre. Ouais, je fais juste demi-tour là en fait et. Ouais, fais demi-tour pour qu'on aille sur l'épave. Et que je récupère le loot. Parce que là, il va aller le faire, il va le piquer. Remarque, tu vas me dire quand il va le revendre, ça va être pour nous aussi. Mais... Bah ouais. De toute façon, j'ai eu le coffre. Alors, à savoir si pour eux c'est glitché aussi. Attention, tout droit perci. Ouais. Ok, deuxième navire. Normalement, tous les navires qui suivent sont glitchés aussi. Hein. Il a tout pris l'autre ? Non, je vais voir. Bon, on regarde. Full glitch. Allez, il va trop vite pour moi. Mais il y a peut-être du loot là-bas. Il va poker aussi. Non. Si. Il poke aussi. Voilà. Donc, Connarman. Non. Jeu de... Tiens, il est là-bas le loot. C'est bon, j'ai le loot. Et c'est un crâne. Et ouais. Y'a autre chose ou pas? Y'a rien d'autre. Alors t'es où toi? J'arrive. Voilà, donc ça fait la 2-3ème fois que ça nous arrive. Mais ça a l'air d'être que sur cette zone, hein, par contre. Par contre, ça a l'air d'être que sur l'event qui se trouve à Sharkbait Cove. Ouais. Et cette fois, normalement, on devrait le remplir. Parce que la dernière fois qu'on l'a pas rempli, c'est juste qu'en fait, l'apparition du dernier bateau. Elle s'est passée à... Ça a changé de jour et donc ça a fait la fin de l'event en fait. Donc, ils sont deux. Donc là, au pire, tu peux même juste les full canon. Parce que comme il n'y a pas de squelette, ils peuvent pas réparer. Donc, ils vont couler quoi qu'il arrive. Alors, c'est pas drôle. Comment tu fais pour glitcher? Tu ne fais rien en fait. J'ai jamais choisi de glitcher le jour. C'est juste que ça fait deux trois fois que ça nous arrive depuis hier soir. Ouais. Et en fait, on fait l'event comme tout le monde. Sauf que quand le bateau il spawn, il n'y a personne dessus. Donc, alors au début, on s'est dit, comme on avait fait que des bateaux avec des navires de l'ombre, enfin avec des squelettes de l'ombre, on s'est dit, comme on est en plein jour, ça se trouve, on les voit pas. Parce qu'ils détestent la lumière. Et en fait, non. Là il va couler là. Il va mettre du temps à couler par contre mais. J'aime ça. Mais voilà, on aime ça. Donc cette fois on va essayer de le finir quand même. Vire contrebord à droite. Je suis même pas sûr que ça vaut le coup qu'on lui mette un baril dans la gueule.
Voilà, donc là il est en train de couler. Hop, on va y aller. C'est con, j'aurais dû y aller avant pour voir ce qu'il y avait dedans, mais de toute façon c'est pas grave, ça va despawn. Je pense que les mecs vont faire la même. Je vais voir s'il y a pas quelque chose vite fait dans la cabine. On peut plus rentrer. On peut plus rentrer comme il a glitché le truc. Enfin, comme il a. Comme il est en train d'être en phase de mort subite. Voilà, donc l'autre il est en train de se faire le deuxième. Alors évidemment, c'est beaucoup plus intéressant quand tu as des trucs dedans. Non, quand vous avez pas un autre péon là qui vient et qui se met en alliance, parce que comme ça le loot est entièrement pour votre gueule. Oui. Là normalement, il suffit que une fois qu'il est tout looté, il vire de l'alliance et on n'aura pas le partage. Alors il y a un crâne. Il y a un... y a une malle. Prends le crâne. Attends, ça va remonter. Viens si tu veux, mais... Il y a un mec qui monte. Ils ont coulé le deuxième. Ouais, le deuxième à côté est en train de couler. Je vais essayer de choper le crâne au moins. Désolé, l'ami. Oh là là. J'ai chopé le crâne. Toutes mes excuses. Pourquoi t'as tapé sur lui? Bah, on se tape entre eux, là. Entre nous, là. Attends, attends, ralentir, 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 ralentir. Ok. On prend la flotte. Ah bon? Ouais bah ouais, on vient de se taper donc. Hop. Je répare, je répare. Donc voilà, et si vous faites 5000 euros de dons sur la chaîne, je vous apprendrai un autre type pour être légendaire en 2 secondes. Ouais. Lol. Tactique qu'on a trop souvent élaboré. Je déconne, hein. Sinon je le serais déjà. C'est faux, par contre. Voilà. Par contre, pour les dons à 5000 euros, c'est pas une blague. Ça, c'est possible. C'est possible, vous pouvez. Putain, il y avait l'autre à côté qui a coulé aussi. Allez, vas-y, tu peux l'arroser là. Ouais, mais il y avait l'autre qui avait coulé juste à côté. Ah merde, t'as raté le créneau, non? Oh dommage. Boulet. Il est pas là le loot. Je peux voir des trucs flotter ici. Où ce qu'on a? Faudrait que tu t'approches et je saute dedans. Ouais. Je vais aller voir ce qu'il y a dedans, si je peux récupérer le loot avant qu'on le coule. Ça pourrait être sympa. Oui. Allez, on y croit. Voilà, terrible, ça pète de partout. Ça pète de partout. C'est incroyable ce qui se passe sur le streaming. Merci Zdabrol pour le follow, tu deviens un tétard. Et donc officiellement, tu es un tétard, tu peux le rajouter à ton CV, ça te fera moins 20% de ta prochaine facture EDF. Ou Steam, au choix. Ah putain, on va passer vite. Allez. On a remis de la voile là. Je vais essayer au pire de glitcher. Putain, j'ai pas réussi à glitcher. Et l'autre il est encore. Ah, puis je suis. Merde, je suis derrière. Je suis complètement derrière à l'ouest. L'autre il est parti là-bas. Bah, il est. Ah, il est en train de choper le crâne, ouais. Il a le crâne en main. Je pense qu'il va attendre Poséidon. On arrête pas de taper contre lui là. Il va falloir que j'aille réparer. Ouais. Attends, il revient vers moi. Ah, y'a Poséidon qui est là, c'est pas le mien. Si. Y'a les deux. Ok, je suis là. Répare. Non, t'as réparé, c'est bon. Il est où ce con là? Putain, il est là-bas quoi. J'ai dû foncer dessus là. Je préfère stream. Stream ou Steam?
va faire une facture moins 20% sur Steam. Eh bien, pas de soucis. Quand t'achèteras ton prochain jeu, tu mets en commentaire. En fait, je suis un tétard. Et là, si tu vas faire ah, un tétard, c'est la branle, ok, il a pas l'air. Bah, moins 20%. Et bam. C'est cadeau. C'est un cadeau que je fais. Donc là, évidemment, l'event perd tout son intérêt. Il est en train de couler. Il coule. Eh, il a piqué, putain, il a piqué notre coffre. Non, non, il a piqué un baril explosif seulement. T'es sûr? Ouais, c'est un baril explosif, je regardais. Ouais, bah c'est un PD. C'est un PD quoi, c'est nos barils quoi. Ouais, bon. Eh bah vérifie bien. Parce qu'il se barre avec... Putain, mais t'es pas sur le bateau, Percy. Bah non. Bah ouais, mais moi je fais pas confiance au mec. Bah il est avec un baril. Et c'est marrant, hein, mais il reste sur notre bateau. Tu vas voir qu'il va le faire péter. Moi je serais chaud pour le buter, tu vois. Abandonner le navire. C'est ça, il va le faire péter ce con là. Pourquoi? Il est pris? Il est allumé ou éteint? Non, il est éteint. Ok, vas-y, monte-le là-haut. Ok, ça respawn. Et tu veux pas te casser, toi? Et tu fais quoi sur notre bateau là? Allo? Y'a plus rien, y'a plus de loot? Putain. Bah voilà pourquoi j'aime pas. Putain, et puis là, il est monté. Ah voilà, pourquoi j'aime pas jouer avec. Les mecs, tu sais même pas si c'est des profiteurs ou pas. Donc il lui fonce dessus. On a tapé donc pour te préparer. On vient de taper sur qui? Ah, c'est lui qui est derrière. Ah, il est derrière nous, ok. Non, il vire tout de suite. Et ils sont deux. On retape. Voilà, pour l'instant, je récupère plus aucun loot, hein, du coup. Bien. Et il y a l'autre qui est pas loin, là. Ça pourrait être intéressant. Putain, y'a du loot à mort là. Je vais récupérer le loot, rien à branler. Vas-y, t'inquiète. Faut que tu les jettes l'encre, hein, jette l'encre. Putain, y'a. Jette l'encre et viens, y'a un crâne, y'a encore un coffre. Heureusement que je lui dis jeter l'encre. Voilà, bon bah c'est mort. Essayer de les réunir. Ah. Voilà comment te faire baiser dans le jeu. T'es avec du loot au milieu de l'eau et tu peux rien faire. Alors que le mec est dessus, en train de looter. Perceval. Oui. Oui, bah je t'attends depuis tout à l'heure là, je t'ai dit de jeter l'encre. Pour faire quoi? Bah parce que j'ai du loot là. Ouais, moi je croyais que tu voulais que lui jette l'encre. Mais non, je te dis toi jette de l'encre. C'est jeté. Oui, mais là t'es trop loin maintenant. Y'a plus rien maintenant. Mais là j'ai un coffre, une caisse de marchandises et un crâne. Et ils vont couler un moment. Je vais pas pouvoir les garder, faut que tu me rejoignes. Hein. Faut que tu viennes sur moi. J'ai machiné, je me suis arrêté. Et ah voilà. Toi, là, je sais pas où t'es. Là, bah, je suis juste en face de toi. En t'avances. Fait, il nous a donné un crâne de plus. Hein. Nickel, bon, t'avances un petit peu. Ouais. Mais de pas beaucoup. Je te dirais de jeter l'encre et t'es pas loin. Attends, parce que le problème c'est qu'on est en train de couler aussi. Bon bah, répare. Je fais plein de trucs en vrai. Hein. J'ai l'air d'en avoir rien à foutre, mais en vrai, c'est surtout parce que je suis occupé à faire autre chose. Ouais, il coule. Ouais, l'autre il a coulé.
Là, donc tu fais pas toujours avec ton loot. Là, je vais essayer de revenir. Je vais de revenir avec un truc. Déjà, la mer est agitée. Ok, visiblement, il a vu le loot, il va aller le chercher. De toute façon, c'est dans son intérêt à lui, parce que tant qu'il reste dans l'alliance, on partagera tous les gains. Donc. Ouais. Enfin, sauf s'il quitte l'alliance avant. Mais comme un con, tu fais... Allô ? Non, merde. Allô ? Allô ? Putain, je sais plus c'est quoi la touche par défaut. Non, mais je suis sur le bateau, là. Ah, t'es là. C'est quoi la touche par défaut pour activer le micro ? Allô ? Allô ? Non, ça marche pas. T'as peut-être changé la touche, là. J'allais faire initialiser les touches du clavier, donc... Ah, donc c'est Alt, alors. Pourquoi je peux plus... Je peux plus avancer ? J'avance ou quoi là ? J'avance. Alors qu'un autre navire vient de spawn. C'est terrible ce qui se passe. Là il y a un crâne. Merde, il est passé pas loin, putain, j'aurais pu monter dessus. Il doit y avoir masse loot dans l'eau qu'on n'a pas vu quoi. Il est en train de lever l'ancre. J'espère que tu vas pas te rater. Non, 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 j'aurais pouvoir prendre. J'ai pris. Ok, nice. Il va nous rentrer dedans, ce bâtard. T'as pu monter ? Ah bah non, mais je suis dans notre bateau là. Ouais, je sais, mais je pensais que tu le voyais nous arriver dessus et que t'allais en plus que dans le fond. Ah, je suis en train de réparer. Ça, je peux le faire. Attends, ce que je vois du loot. Ok, on continue full gauche, il y en a un qui est en train de couler. Il coule ou pas? Je sais pas s'il coule. Non, il coule pas. Kevin, tu vas rester sur le jeu longtemps? Je sais pas. Je pense que, en fait, tant que t'as pas rempli les trois objectifs, les trois zones à nettoyer, ça, une fois que tu les auras fait... Je pense que tu pourras les refaire, mais t'auras plus le haut fait de débloquer. Mais après, normalement, à terme, non, je pense qu'ils vont... De mon point de vue, je pense qu'ils vont transformer les navires fantômes comme, si tu veux, le mégalodon ou le kraken. Il va spawner aléatoirement pour buter des gens. Là, c'est juste parce qu'on sait où ils sont, quoi. Et je pense que non, les navires fantômes, ils vont rester dans le jeu. Il est où, le deuxième ? Le deuxième, il est en train de couler. Rush au deuxième. On va pas arriver dessus assez vite, je vais pas voir où est le loot. Deux coups de canon ils ont touché. Ah ouais. Il est où celui qui était en train de couler? Là, il est en face de nous. Encore un peu. Pas tarder à lâcher l'ancre. Il nous a lâché le bateau, hein, l'autre, hein, c'est bon. En vrai, on a masse loot, hein. On est bien. Hein. Attention. Vas-y, lâche l'ancre. C'est parti. C'est à droite, là ? Ouais. Non, à gauche. Regarde, juste là, à gauche, là. Ouh, il y a masse, là. Il y a au moins deux caisses, un crâne, un coffre. Prends le crâne. Ah merde! J'ai un peu galéré, mais. Ah, moi aussi, putain, il arrête pas de bouger. comme Forest appuie sur la touche, c'est chiant. Bataille de loot et plus de bateaux. Ouais, là, bah, là dans ce cas-là, ouais, parce qu'il n'y a pas de PNJ quoi. Voilà, c'est surtout en mode faut pas abandonner le loot en mer quoi. Et là, nous, on a passé la nuit là avec des events non buggés, donc vraiment à se fighter tout seul. Ah, ah, ça y est, c'est débloqué. Validé. Ouais, c'est validé. Il reste une caisse, enfin, un coffre. Elle est où ? Elle est là, ok. Je vais chercher. Vraiment, ouais. Et donc là, on va avoir les pop-up de haut fait remplis.
Parce que c'est les autres qui ont dû le buter le dernier. Alors, ça va mettre un peu de temps à popper normalement. On a un peu d'eau là. Ah, c'est l'eau de la pluie, c'est normal. Le coffre il était en train de couler. Ouais. Je l'ai rattrapé à temps. Et c'est bon. On va aller le voir lui à la rigueur. Il a peut-être. Non, je sais pas. Ouais, on va à l'avant-poste. On y va direct. De toute façon, ils vont toucher leur part. Donc, Exactement. Ah, c'est bon, voilà. C'est rempli. Bataille terminée. Great job, my friend. Très bon travail, les amis. Ah, je vais juste vite fait remettre ma touche de. J'active avec son micro. Mettre A. Voilà. Allô. Allô. Ah merde, non, mais non, mais ça marche pas dans le jeu là. Non, mais ils sont trop loin là. Non, mais j'ai la corne au pire. Allô. Allô. Pourquoi ça marche plus? Ça marche avant. Du coup l'avant-poste le plus près. Ok, dis-moi parce que la boussole est déconne de ouf. Eh ben on a nord-est. Nord-est? Ouais. Je vais tourner, tu me diras quand tu poses ma règle. Ah, la boussole déraille complètement. Là ça a l'air d'aller. Je vais te dire sur la map. Hein. Ouais. Vas-y, tourne encore. Encore. Stop. Ah, full tout droit. Oh, putain, on a le vent de face. C'est bizarre. J'aime pas seul, cool. Il y en a un à l'avant aussi, non? Non, il est bouché là. Bon, ça fait du beau loot. Ouais, content. Y a ce qu'il faut, là. Surtout que l'autre il nous a ramené du loot en plus hein, en ça, vrai. Ça c'est cool. J'ai l'impression qu'on a encore un trou quelque part mais. Non, mais il y a un peu la pluie aussi. Ah, c'est peut-être pour ça. La pluie rajoute de l'eau. Bon, c'est con. Ils ont dû partir à un autre avant-poste. De toute façon, on les voit sur la map, hein, normalement. À moins qu'ils aient quitté l'Alliance, mais. On les voit, ouais. Bah, qu'est-ce qu'ils foutent tout là-bas? Ils sont morts ou quoi? Non, ils ont pas l'air. On va où? On va. On va à l'avant-poste Plunder. Ouais. Allons-y. Après, est-ce qu'ils seraient pas en train de nous tenter un guet-apens? Pour qu'ils apparaissent si loin de la zone, c'est qu'à mon avis, ils sont morts, ils ont coulé et ils ont respawn là-bas, du coup, ils ont plus aucun loot. Donc, ouais, à toi de voir. On va les éviter. Au nord, il y a quoi? Au nord, le prochain outpost, il est loin. Hein. Vas-y, on trace au nord, de toute façon, on peut pas aller au sud. Qu'eux, ils tracent. Faut qu'on attrape du vent là. Attends, je vais leur dire. Ah, je les vois là-bas. Non, je les vois pas. Pas pour moi. Je suis con, je tape dans le chat, mais c'est un chat de proximité, donc ils doivent pas avoir le message d'ici. C'est bizarre que ma touche de clavier ouais, marche plus. Alors, est-ce que ça a réinitialisé tous mes réglages aussi? Peut-être gameplay. Ouais, pas dire. Voilà. J'ai l'activation de micro activée, ouais. Bizarre. Pas une autre touche qui s'est foutue en merde là. USD, Shift, R, machin. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ah ouais.
Allo? Non. Je sais pas. Ah, ils ont viré vers le sud. Ah. Peut-être qu'on se fait pas chier du coup. On prend à droite. On pourrait limite quitter l'Alliance. Non. Comme ça, ils touchent pas une part des BF. Ce serait pute parce qu'en plus, ils nous ont ramené du loot et tout. Ouais, donc non, on va rester dans l'Alliance. Faut juste pas qu'ils la quittent, eux. Enfin, c'est eux qui t'ont invité ou c'est nous qui avons créé l'Alliance? J'ai fait rejoindre l'Alliance. D'accord, donc c'est eux qui l'ont créé. Ah, ils sont là-bas, je les vois. Je sais pas où ils vont, c'est bizarre. Ouais. Ils retournent peut-être sur l'event. Ah ouais, peut-être pour essayer de récupérer des trucs. Ah, parce qu'il y a peut-être encore du loot et j'ai l'impression que le loot d'event, il a tendance à moins couler. Enfin, il reste plus longtemps. Ouais, c'est bien possible. Ouais. On a la cale blindée en vrai. Ouais, on est pas on mal. On est bien. Ah, faudrait que j'aille me faire un petit café. On est pas mal. Bon, vas-y, va faire le café. Ouais, je vais s'en occuper. Pour tout ça, là, le petit cop de capitaine. Ça, ça fait plaisir. On en trouve pas souvent, enfin c'est assez aléatoire, mais ça c'est le coffre qui spawn qui vaut le plus cher, hors coffre maudit. On a le vent ou pas? Non, on n'a pas le vent vraiment. Bon bah voilà, c'est une partie enfin, ça fait un event très agréable du coup, non? Qu'est-ce que vous en pensez Twitch? Quand tu dis que les gains ont séparé, du coup tu gagnes moins d'argent? Non, je pense qu'en fait ils sont doublés. Enfin ils sont dédoublés. On va le voir, on va revendre, on va le voir. Bon, même si les prix sorciers actifs sont aléatoires, suivant l'item, il y a une fourchette quand même que le jeu respecte. On va le voir. Si on touche. Alors sur un coffre de capitaine, si je touche 100 pièces, oui, là, c'est que ça sera partagé quelque part parce que. C'est au moins 200, je crois, un coffre de capitaine minimum. Hein. Et on est pas mal, il y a 5 crânes. Donc 4 maudits. Il y a 3 coffres d'aventurier, bon, c'est de la merde. Un coffre de capitaine, 2 caisses de marchandises. Il y a encore un crâne là. On va les ranger un peu. On va le ranger là, voilà. C'est chiant quand ça se chevauche. On est pas mal. Alors après, à voir si eux aussi avaient le glitch, du coup je pense que oui. Mais visiblement ils ont quand même, enfin moi je considère qu'ils ont coulé à la fin parce que pour qu'ils spawnent aussi loin alors qu'on était en plein fight, t'es quasi sûr qu'ils aient coulé à un moment. Je sais pas où ils vont là, est-ce qu'ils sont où là? Ouais, il retourne au lieu du spawn visiblement. Alors le lieu du spawn est un peu plus haut, il est plus là. Alors normalement on voit leurs points et on voit mes points entre alliances de ce que j'avais lu. Je sais pas si c'est actif ou pas. Ok, on va y être. On va commencer à virer légèrement. On va monter un peu de voile. Là on va faire un drift. On va même pas faire un drift. On va y aller en glissant sur l'eau. Hop. Normalement c'est bien calculé, ça devrait tomber juste.
mais ça va prendre 3 heures. Ça va le faire. On va commencer par les crânes. On va revendre. Je pense que les mecs s'attendent à ce qu'on revende, donc ils sont pas inquiets, ils vont toucher leur part. Ils ont quand même combattu. Voilà. Voilà, 379, non, c'est doublé du coup. Ça vaut vraiment à peu près 380, donc... c'était même un peu juste, visiblement. Hop. Ils sont contents, ils touchent leur part. Ouais, ouais, mais voilà, 280, c'est les prix aussi. Non, c'est bien doublé. Il avance encore ce qu'on a. Non, il avance encore un petit peu. Je vois pas où je vais. Ouais, le meilleur moment de jeu, la revente. Comme dans tous les jeux de farm. Un petit 780, ça fait plaisir. Que c'est monté deux niveaux, dis donc. Bah oui. Avec ce que tu viens de ramener là. Je ramène que les crânes là pour l'instant. Il en reste deux. Ouais, j'en ai pris un. Ah, raté. Pipe et jambes de bois. Pipe et pipe. Gueule la baleine. 448 suffit. Ouais, tu vois, c'est Bardron me demandait si, comme c'était partagé dans l'alliance, est-ce que c'était la somme totale était partagée par rapport au nombre de bateaux, au nombre de joueurs, ou est-ce que, et vu les prix, non, c'est bien doublé. Non. Donc, ils touchent exactement la même chose que nous. Ouais, tout à fait. Sauf qu'ils ont pas besoin d'eux à les revendre. C'est le même système que si Percy va revendre et moi je touche parce que je suis dans le même équipage que lui. Non, j'arrive plus. Non, pour être franc, le système de revente est très très bien fait. Ça, y a pas de problème. Ils ont anticipé le fait que... Il y a beaucoup de gens qui vont être jaloux. Toi t'as eu 4$ de plus que moi. Ouais. Tu vois, le genre de délire. Et merde. C'est pas toi. C'est où déjà celui-là? Le petit coffre de capitaine et ça va palper. Enfin, pas à tous les coups, mais ça fait pas mal grimper ça. Alors je sais pas s'il y a un bonus d'argent. Pour le fait qu'il soit plein de coquillages, donc c'est des coffres qui se récupèrent que sur les épaves ou comme là sur les bateaux premium, mais il est où? Il est là. Oh là là. Un petit 635. Fait bien plaisir ce petit 635. Hein.
Ça se trouve, eux vont arriver dans 10 minutes avec du loot qu'ils ont récupéré là-bas parce qu'ils ont pas bougé de la zone. Possible aussi. Il y a peut-être encore du loot de visible. Ouais bah oui c'est cool. Après à voir est-ce que le mec au dernier moment s'il quitte l'alliance il va péter les autres. Il peut tout récupérer, il peut tout revendre sans que les mecs touchent quelque chose. Je sais pas comment Rare a prévu le système d'alliance. Alors déjà je sais pas si le mec qui crée l'alliance peut jarter volontairement des mecs. Parce que nous là on a rejoint l'alliance, on peut la quitter quand on veut. On peut la quitter et si là par exemple on l'avait quitté, est-ce qu'en revendant les trucs ils auraient rien touché? Ah ouais c'est vrai, enfin en théorie du coup bah oui ils auraient rien touché mais... Bon y'a plus rien. Ouais c'est vrai que ce serait plus... Ouais y'a plus rien, bon on peut faire le tour pour faire un petit plein. Planche là. Attends, je suis full. Ouais, je suis full en tout. Bon, on aura réussi à le faire cet event. Ouais. Enfin, un des events. Oui. Bon, c'est pas ça. Je suis encore dans ma tête dans le brigantin et du coup. Ouais, c'est pas simple de se réorienter sur un navire. Ah, papou! Il est où Papou? Ouais Papou est parti. Il est parti Papou. On verra ce soir. Il est parti bosser le Papou. Ouais. Ça me fait penser, faut que je check mes mails. Cool. Sure, I'm here for you. Voilà, ça vaut un bras, tout vaut un bras, quoi. Après, ça monte vite, hein, si tu dépenses tes pièces... Oui. Pièces marron, là, violettes, là, pour avoir de l'argent. Non, mais les pièces violettes, c'est pas ouf, hein. Genre, il me propose quoi? J'en ai 55, et je peux acheter, du coup, je pourrais acheter 20 000. 50 000. Ouais, c'est ça. Enfin, non, même pas, ça fait 20 000, 25 000, 27 500. 27 000, pardon, tout à 27 fait. 27 500. Très mauvais calcul de ma part. Par contre, il y a ça, voilà, il y a de la belle coque. Ça, c'est pas mal, mais par contre, il faut la promotion des conquérants des flottes squelettes. Ça, voilà, ça te donne qu'un seul niveau. 30 machins pour un seul niveau. C'est pas foufou. Ou alors non, si, ouais, c'est pas ouf. Ou alors c'est si t'es niveau, t'es niveau 49 ouais. Et tu veux passer ouais, 50 voilà. Légendaires, voilà. Là ouais ok. Mais sinon c'est pas foufou. Sinon à notre niveau ça vaut pas du tout le coup. Par exemple ça pourrait être intéressant. Il faut la promotion conquérant des flottes squelettes. Alors ça par contre, ça c'est bad roll. Je vais t'appeler Seb, ça va être beaucoup plus simple. Ça là, les skins comme ça, que ce soit les fringues ou les items, ou ça faut faire gaffe parce que ça généralement toutes les deux semaines ça dépop. Donc ça c'est depuis la mage qu'on a cela. La tenue que j'ai, c'est une tenue qui vient de ce mec là, qui a été dispo que deux semaines. Magnifique ce chapeau, j'ai envie de le mettre. Donc ça faut faire gaffe à la rigueur, ça faut les acheter tout de suite. Après, acheter les enveloppes de niveau et l'argent, c'est toujours là, mais... Je vais le mettre. Du coup, ça, on va voir... Barbossa, je suis obligé de le prendre. C'est quoi l'objectif qu'il faut pour passer... je pense qu'il faut buter tout, évidemment, tous les... Non... Pipe, jambes de bois... Pipe, jambes de bois... Protecteur des wilds... Buter 50 navires squelettes, on en a déjà buté 22.
Ouais, non, non, putain, on a fait que ça. On a fait que ça, quoi. Cette nuit, on a fait vraiment fait que ça. Et par contre, il y avait des PNJ dessus et on était tout seul. Ah oui. En brigand. Ah, obtenez la promotion de conquérant des flottes squelettes. Alors, on est à 1 sur 3, donc je pense qu'en fait, il faut qu'on bute les 3. Pour l'avoir. Ouais, dans les 3 régions, ouais, ça. Bien sûr. Donc, on en a buté un, il nous faut les 2 autres. Et on aura la promotion conquérant des flottes squelettes. Et donc, on pourra acheter la voile, la coque. Et le drapeau. Pour être légendaire, faut être level 50 partout. Je sais plus si c'est 45 ou 50, mais quand le jeu est passé en release, c'était ça. C'était 45 ou 50. Et faut l'être, oui, dans les trois factions. Alors maintenant, il y en a une quatrième, mais elle a pas l'air de compter. Et c'est un... Quand Rare a annoncé ça, normalement, Rare a annoncé que le premier joueur du jeu qui passait niveau légendaire aurait une place privilégiée au sein de Rare. Donc serait en une sorte de mascotte pour le jeu. Et c'est un américain en live Twitch qui est passé légende. Et ça te donne un rang, t'affiche en dessous de ton nom. Ça te donne des fringues, des items. Alors pas un bateau, mais un skin de bateau. Et ça te donne accès à une grotte secrète qui n'est pas disponible pour les autres joueurs. Où là tu as des missions légendaires qui rapportent beaucoup plus. Et malheureusement... Et cette grotte là, c'est pas genre une île qui est invisible aux yeux des joueurs. En fait, elle est dans tous les avant-postes. Elle se trouve ici. C'est ça que tu vois. En fait, quand t'arrives, ça s'ouvre, il y a un escalier qui se crée, il y a une grotte en dessous et tu peux y aller. Lui d'ailleurs, il me dit quoi depuis le temps? Looking good. Soon be a legend, right? Il dit qu'il faut être à 15. Lui, c'est pareil, je sais pas ce qu'il y a derrière par contre. Je sais pas ce qu'il fait. Peut-être que c'est lui hein, qui te permet d'avoir la grotte. Et par contre, une fois que lui est là, le légendaire, et qu'il ouvre la grotte, tous les joueurs qui sont autour peuvent rentrer dedans. C'est pas parce que un mec passe légendaire que tous les autres de l'équipage doivent passer légendaire pour que ça se valide. Il suffit qu'un seul le fasse en fait. Mais comme tu peux le voir, même avec je ne sais combien d'heures sur le jeu, après avoir saigné les 4 bêtas du jeu... moi je farme pas les levels donc je suis pas ouf hein. Pas worse quoi. Je vais pas farmer comme un porc les niveaux. Donc sur ce. Ça on a fait. Alors là je regarde où on est. On est sur les Ancient Isles. Donc c'est celui qu'on a fait non? Oui, on est dans la même région là. Je vérifie quand même. K.O. C'est celle qui est de Sharkbait. C'est ça, on a fait les Ancient Isles. Ouais. Maintenant, faut faire les deux autres. Donc, t'as plus au nord The Wilds. Ouais. Et en fait, je m'aperçois que. Au lieu d'à chaque fois aller sur les avant-postes, regarder l'heure, tu vas dans les objectifs et tu l'as. Hein. Dans les objectifs, c'est-à-dire. Ouais, genre dans les fonds de cale, dans les hauts faits. Donc t'as... Moi, tu sais, je connais pas encore bien les menus. Bah tu sais, tu ouvres ton inventaire de quête, de voyage. Mon équipage. Et non. C'est où ces tabs? C'est quoi? Voyage. Ouais, c'est tab. C'est tab. Tu restes dans réputation, t'appuies sur fond de cale. Ouais. Fond de cale, ouais. Et là, tu regardes les hauts faits. Donc vous avez remporté The Great War of the Silent. Tu descends un petit peu. Et ouais. Là, t'as par exemple, venez à bout de l'équipage du Cursed Helm qui est en mer du 31 au 7 juillet. D'accord. Bon, après, faut se rappeler quel nom de bateau correspond à quelle région. Et oui. Ça, c'est un peu chiant. Et voilà, donc il nous reste cela. Salut, Geneste. Comment ça va? Donc voilà, donc on a eu le premier, il nous reste les deux autres à faire. Je sais pas comment on est niveau stuff. Et eux, ils sont sur lequel, là? Bah, ils sont d'or, là, donc... Ah, ils vont sur Shore Plenty. Ouais, faudra les rejoindre. Ils sont... Ah, ça y est, ils vendent. Ça y est, ils vendent. Donc, ils sont chauds pour continuer l'alliance. Hein. Ils ont même pas quitté, donc Je pense qu'ils sont chauds. Par contre, j'ai pas vu au niveau stuff. On est vraiment full. 30, ouais, 51. J'ai rempli pas mal de trucs, j'ai rempli. Ça va. Et 76, pas mal. On lève l'ancre, c'est parti. Ouais, on y va. Ah, allez. Donc, full nord, hein. Ouais, je vois qu'il y a à droite déjà, ok, y aller. Oui, il y a toujours les events les plus cool quand je ne suis pas chez moi.
Oh, Steven là, je pense qu'il va rester, un bon mois. Il est pas mal celui-là en plus. Moi je m'éclate bien. Je pense qu'il va rester un bon mois. Très rare, on n'a pas trop d'infos. Je sais qu'il y a des, choses sur cette mage qui vont être bloquées dans 2 semaines. Il y a des skins qui vont disparaître, mais l'event en lui-même. Hein ? Ils sont rares. Oui. Lol. Terrible. Ah, donc on va aller la rejoindre. Ah, c'est une blague à la Bob Lennon, celle-là. Il sert du contexte, il sort une vanne pourrie, ou un jeu de mots à la con, et voilà. Moi, ça me fait toujours rire. Ah, là, j'ai un véritable swag. On est d'accord. Lol. Ah, j'ai un vrai style. Un jour, je changerai de tenue aussi. De bois. Magnifique, hein. Avec ma petite plume sur la tête, là. À la Barbossa. Quand le perroquet. Et non, il me manque le Ouistiti. Il me faut un petit chimpanzé. C'est ça. On apprécie sur le stream du petit chimpanzé. Toujours. Là, je vais remplir mon quota d'heures de stream en une nuit, quoi. Moi, j'ai arrêté de streamer. Ah. Je suis passé en légendaire. Je suis en légendaire là. Ah, y'a quand même pas à dire, y'a plus de détails. Je peux passer en mythique. Je suis passé en mythique. Ah, y'a mythique aussi, parce que je comprends pas leur système de. Ah, là, je suis en mythique. Qu'est-ce qu'ils devraient ajouter au jeu, tu penses? En mythique, c'est beau. Ouais, attends, je vais remettre parce que il maintient le vite fait le 60, mais c'est limite. Bah, de ce qu'on sait sur les prochaines mises à jour, pour l'instant, ils vont rajouter de nouvelles zones, ils vont rajouter de nouveaux ennemis. Il y avait un bateau plus de 4 joueurs qui était pensé à un moment, donc je pense qu'il arrivera à fin d'année ou l'année prochaine. C'est déjà énorme. Ce qui était pourtant pas gagné, hein, parce que le jeu était casse-couille, hein, au bout d'un moment au début, hein. Donc heureusement qu'ils ont fait ces ajouts là. On vient de prendre Mass Freak. Oh putain, la vache! Oh la vache! Putain, ça spawn. Et ils ont glitché. Tu sais, c'est des mecs sur GTA Online qui te filent de l'argent en limité. Non, mais attends, j'ai bien l'impression, regarde-moi ça. Ah, y'a un truc à 1000, hein. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça continue d'affluer là? Par contre, pourquoi mon jeu repasse pas en plus de 90 FPS là? Ah, parce que j'ai bloqué à. Okay. On vient d'avoir dans les 8000 de pièces d'or là d'un coup. Lol. Donc c'est déjà de bons ajouts qu'ils ont fait là. Vraiment, cet event là il est super sympa. J'aimerais bien une personnalisation un peu plus poussée du bateau. Au-delà de la couleur de la coque et tout. Vraiment pouvoir, je sais pas, choisir l'aspect des canons, l'aspect du mât, surtout la barre, changer la barre. Les lumières, tu vois. Pareil, qu'il fasse payer ça un bras, c'est pas grave. Ça reste du skin. Les gens font ce qu'ils veulent, ouais, avec. Tant donc, que c'est pas de l'amélioration de performance. Ou quoi, voilà. Ça, j'aimerais bien. Ça serait sympa. Qu'est-ce que j'aimerais d'autre? Qu'est-ce que t'aimerais, Percy, en plus dans le jeu? De quoi qu'ils ajoutent? Ouais. Oh, peut-être des armes supplémentaires? Ah oui, ça serait pas dégueulasse. Hein ouais, qu'ils nous disent c'est quoi les deux derniers? Ici, là. Là et là. C'est quoi les deux derniers trucs qui vont arriver? J'aimerais bien le savoir en avance. Mais sinon, s'ils continuent dans cette lancée-là, on sait qu'ils ont... On sait que le nouveau DLC sort septembre-octobre. Avec une nouvelle zone à explorer, une nouvelle map. Avec de nouveaux ennemis, normalement. Ce qui sera énorme.
Et on sait que pour l'année prochaine, aux mêmes dates, les trois prochains DLC sont en travail, ils sont déjà quasiment finis. Enfin, ils ont déjà les idées en tout cas de ce qu'ils vont faire, donc, et ils auront le même level que ceux qu'on a là. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc c'est déjà une bonne avancée, franchement, ils baissent le prix de leur jeu peut-être. Ouais. Ça, c'est une des choses que je demanderais plus. Ouais, mais c'est pas officiellement de leur faute, il y a Microsoft aussi qui tanne. Ouais, je sais bien. Ouais, mais c'est aussi là, eux qui font les cons. Oui, mais, en même temps, le jeu est, hein, le jeu est édité par Microsoft, donc ils ont pas le choix. Ouais, mais bon. Tous les DLC sont gratuits. Merde, je suis tombé. Bon, bah, plouf. Hein. Tous les DLC sont gratuits. Cherchez Poseidon. Non mais après il faut dire quand même que ce que les Endbones à côté, voilà quoi, il va falloir s'accrocher avec ce jeu. Ah ouais, mais ils ont pas le même, ils ont pas la même ambition. Oui certes, mais c'est pas le même type de joueur. Par contre Skull and Bones, mais je vais le dépouiller jeu là. Voilà, j'allais te dire, c'est que c'est deux jeux qui vont demander beaucoup de temps, même s'ils sont pas du tout dans le même dans le même catégorie. Je pense que Skull and Bones va demander beaucoup plus de temps. Oui, voilà, dans tous les cas, ça va être des jeux chronophages. Donc, ouais. Les joueurs qui seront plus attirés par tel ou tel jeu, ils joueront pas aux deux jeux, quoi. C'est genre, le mec, il a passé, tu vois, il aura passé 6 heures dans la flotte à choper des coffres, il a pas envie de faire ça dans un autre jeu, quoi. C'est le truc. On dévie un peu là. Il va falloir qu'ils ajoutent des trucs, mais. On dévie un peu. Oh, en nord-ouest. Un peu. Que le DLC soit gratuit. Oui, ouais, non, ça juste, c'est pas le fait que le jeu vaut pas 70€. Techniquement, quand il est sorti, non, il valait pas 70€ parce que au bout de 2 heures, tu t'emmerdes. Il y avait pas d'event. Donc le Kraken, il est arrivé un peu après. C'était chiant, quoi. Hein. Son gros point fort, c'était surtout, voilà, d'être à plusieurs potes sur un bateau. Ouais. Le rendu de l'eau qui est absolument incroyable. Et c'est tout quoi, il avait que ça le jeu. Même si les DLC derrière étaient gratuits. Le truc c'est que un jeu à 70 balles d'un studio qui, son dernier jeu date d'il y a 10 ans, et que le jeu sort du lot parce qu'il est nouveau et pas parce qu'il fait partie d'une licence hyper connue, c'est pas un Assassin's Creed ou un Call of Duty ou un Battlefield quoi. Donc je comprends que ça a pu être réticent pour certaines personnes. De lâcher 70 balles, quoi. C'est clair que c'est pas tout le monde qui peut se l'offrir. Voilà, et puis... Et puis c'est du jeu à farm, c'est du jeu répétitif, parce que c'est du jeu à farm. Sauf quand il y a les events, et du coup ça fait un peu comme Elite Dangerous, comme... quel autre jeu est comme ça ? Comme un peu World of Warcraft, ça fait que quand t'es en game, et bah t'y joues plus et t'attends la nouvelle mise à jour avec les nouveaux trucs et t'y retournes 6 mois après. Ouais, de nouvelles armes, moi surtout, c'est ce que je dirais pour le jeu. Ouais, ouais, genre un lance-roquette, ça serait bien. Non, mais tu sais, par exemple, ou un hélicoptère. Ce qui existe, tu sais, dans les anciens bateaux, c'était des petits canons à l'avant. Oui, tu vois, ah, des boulets enchaînés. Voilà, ou des petits boulets enchaînés, des trucs comme ça. Et tu vois, il n'y a pas. C'est vrai. Pas grand-chose, hein. C'est des petits ajouts. Ouais, mais le jeu se veut très simpliste en même temps. Oui. Oui, mais ça rajouterait pas une stratégie particulière, hein. C'est juste des ajouts simples, ça.
Ah si, il y a un truc que j'aimerais bien. Un mode troisième personne. Ouais. Ouais, surtout que ça changerait pas particulièrement le gameplay ou quoi que ce soit. Voilà, j'aimerais bien un mode troisième personne. Ah, mais c'est un lieu où en fait, je dirais une île. Il y a un gars. Il y a cassé. C'est bizarre. Ouais. Attends, par contre, je vois. Aïe. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un brigantin. C'était pas un brigantin, notre pote? Non, mais il y a deux navires en fait. Il y a un autre sloop qui est pas de chez nous. Bah, bien grave. De toute façon, on a plus rien. S'il se tire pas dessus, de toute façon. De toute façon, on a plus rien. Peut-être qu'il l'invite dans l'alliance avec nous. Ça fait chier que ma touche micro marche plus là, elle marchait très bien. Ah, ça y est, ouais, il nous a rejoint. Ah, nice. Vas-y, jette l'angle, Percy. J'ai tenté. T'as bugué. Ouais, je suis désolé. J'aurais dû jeter plus tôt. Bouffe ma lame. Et je les entends pas. Ah, de vulgarité, chers amis. Ah, de parler comme ça, tu vas te faire troller. Hey, mais moi j'aime bien. Pourquoi je les entends pas là? Pourquoi ça marche plus la touche de micro? Ça fait chier. Prometteur. Allô? Dansons. Ça marche bien, hein. Je sais pas pourquoi j'ai voulu changer des trucs. Ah, parce que j'ai voulu jouer au clavier, c'est ça. C'est ça qui a fait merder. Hein. Je vais mettre. Ouais! N. Allô? 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 Mais ben non, ouais, ça marche pas. Comme des bateaux pour explorer, acheter plus de canons sur le bateau, on voit le plus performant. Ouais, mais ça ferait que les gens pourraient payer pour être meilleurs. Je trouve que sur ce jeu-là, ça a pas lieu d'être. C'est bien que ce soit vraiment que du skin visuel. Là, tu tombes sur un mec légendaire en sloop, tu peux le défoncer. Tu sais juste qu'il a le grade légendaire parce qu'il a beaucoup plus d'or que toi. Putain, ça m'énerve quand même que je puisse pas parler. Ça marchait très bien avant. Je comprends. Sud, d'accord. On trace au sud. Au sud, nous irons. Au sud. Attends, je vais relancer le jeu. Ouais, ça va pas bugger? Non. Non, je regarde juste. Bouge pas Twitch. Je regarde juste si mon micro est bien activé dans Sea of Thieves. Ah ouais, non, il est bien activé. Il est en micro par défaut. C'est peut-être parce que c'est l'autre micro. Ouais, c'est ça, cherche pas, c'était ça. Attends. Ouais, c'est ça, cherche pas, c'est ça. Hop. 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 En fait, c'est parce que c'est pas le bird. C'est mon micro de casque et je l'ai mute, mon micro de casque. C'est pour ça. Alors je vais refresh pour te rejoindre, je pense. Pourquoi je ne vois pas que je peux te rejoindre? What the fuck? Oui. Ox. T'inquiète pas, Twitch, ça va très bien se passer. Ami. Ça coûte cher les planches. Il va se faire jarter de l'alliance à un moment. Putain, je vois pas le bouton te rejoindre. Oula! Faut que je tienne le merdier. Tu peux switcher sur la Xbox et m'inviter? Je sais. Alors oui, mais le truc c'est qu'on est en pleine tempête. Merde. Et là, si je lâche le truc, je risquerais de se rentrer dedans. J'ai pas le bouton. Ah si, ça y est. Ouais, c'est bon? Ouais, c'est bon, il a mis le temps, ça va apparaître. Hop, je vous mets le jeu. Écran gris, écran noir. Cinématique. Magneto, Serge. Jeu sur PC, oui. Oui, parce que j'ai essayé le jeu sur Xbox, c'est mort. C'est terminé. Ah. Je l'ai installé au cas où, je m'étais dit, je vais l'installer aussi sur ma One. En tranquillou canapé, séance farming. Le jeu est, je dirais, l'équivalent de moyen.
graphiquement. Donc ça encore, bon, on s'en fout un peu. Par contre, le jeu ne tourne pas du tout à 60 FPS. Il y a des grosses pertes de framerate. En tout cas, sur une One Slim. Ah, attends, parce qu'il m'a pas dit du coup. Hop, c'est bon. Il y a des grosses pertes de framerate et du coup, c'est injouable en fait. C'est con parce que... Alors, je sais pas sur One X s'il tourne vachement bien, mais en tout cas, sur One Slim, c'est pas possible. Et puis pour le stream, c'est beaucoup plus facile de jouer sur PC comme ça. Je pourrais hein, le faire tourner sur Xbox, mais s'il tournait bien. Mais faudrait que je bouge la Xbox de mon salon sur mon bureau, que je branche le boîtier de capture, que je récupère le flux vidéo qui sera en moins bonne qualité, que je récupère le son, par-dessus je rajoute ma piste sonore. C'est beaucoup plus d'emmerde que... Le jeu ne demande pas une grosse config, le jeu ne prend pas énormément de ressources. Donc... Et en plus voilà, on a l'avantage c'est que ce jeu-là est Play Anywhere, tu peux l'avoir sur Xbox comme sur PC. Ou les deux en même temps. Donc autant en profiter. Ah donc ça va, ouais, les sous-titres vous les voyez quand même, même avec l'overlay. Sinon j'ai une scène avec des overlays beaucoup plus sobres, mais ça va, c'est pas dérangeant. Vous êtes fou, cher ami. Faites attention. Mais ta gueule. Et ferme-le. Ah voilà, je suis là, et là si je fais... Allô. Ah, c'est bon. Vous avez pas de micro ou quoi? Ils ont sauté de leur navire. À coup de canon. Il demande quand même une 1080. Ah bon? En maximum. Ouais, en maximum sûrement. Ouais, en maximum. Non, non, je crois qu'il demande une 1060 minimum sur les nouvelles générations. Après une 980, c'est easy. Hein. Allô, du bateau? T'es en anglais ou pas? Non, non, ils sont français. Il est où le troisième? Je sais pas. Ah, il est resté. Ah non, il est déjà sur le site en fait. Non, ah non, il est reparti là-haut. Trêve, toutes mes excuses, toutes mes excuses. Arrête le spam. Pitié, pitié, pitié. Quel est le plan de vol, chers amis? Oh putain, il est ingérable. Et moi franchement, je suis dans une alliance. Un mec qui me parle comme ça, qui arrête pas de me parler comme ça, je le dégage en moi. David Jones, c'est là. Mais c'est bon. Vas-y, je fais... Retourne avec ta poterie, là, ou ta vaisselle, j'en sais rien, mais... Ah si, j'aurais bien aimé aussi aimé un mode offline. Ça aurait été sympa. De pouvoir jouer vraiment qu'entre potes sans aucun autre joueur. On est en train de couler d'ailleurs. On coule là? On a de l'eau. C'est bon. Comme il n'y a pas de trou, je pense que c'est... C'était juste de l'eau, de la pluie. Ouais, c'est ça. The rain is too strong. Ah, et voilà. Mais attends, ça serait pas le skin justement qu'on veut, qu'ils ont eux? Je sais pas. Il me semble bien, hein. Ouais, donc à mon avis. À mon avis, ils ont déjà buté les trois. Hein. Bon, je sais pas. Je pense. Il me semble bien que c'est ça. En tout cas, on a de bons camarades. Ouais, enfin, ils parlent pas quoi. Non. Mais on a quand même de bons camarades. Après, c'est peut-être des joueurs Xbox. Je pense, vu qu'ils ont des presets de dialogue. Ah, on les a aussi, les presets de dialogue. Ah bon? Oui. Moi, bon, je m'en fous, j'ai un micro. Et moi aussi. Je peux le faire aussi, hein, tu veux ça. Et le pire, c'est qu'ils changent suivant ce que tu regardes. Vous avez réussi, cher ami. Ah, on a débloqué un succès en plus. Ah bon? Ouais. Vous avez vogué dans la même... Vous avez vogué dans la même direction que... Ah ouais, je viens de l'avoir aussi. Et surtout qu'on n'est pas full voile, j'ai l'impression.
Non, là, je l'ai c'est ça, on va plus vite qu'eux sans être. Non, et qu'est-ce que tu fais? C'est l'autre. Ah putain. Putain, le mec panique, tu vois. Tu pas nos amis? J'ai fait clignoter la lanterne. C'est ton ami Melon qui fait ça. Je peux clignoter la lampe. Bah, c'est ce que je fais aussi. Il commence à faire son. Est-ce un protecteur des anciennes Apes? C'est génial. On voit le team play, hein. On voit qu'ils ont bossé sur le team play, mec. Ah merde. Ah, c'est parti pour refoutre la merde. Sauf que là, à mon avis, il y a les PNG. Hein. À gauche. Non, il n'y a pas de PNJ. Il n'y a pas de PNJ, c'est quoi ce bordel? C'est trop bien, on continue. Il a poké. On lève l'encre ? On tire l'encre ? Non, attends, il va se débloquer. Là, avec ce que je viens de lui mettre... Bah, il va nous foncer dessus, non ? Il faut attention à pas pop notre tour. Non, ça va le faire. Vas-y, je fonce dessus, moi, rien à branler. J'ai levé l'encre, hein. Ouais, c'est ce qu'il fallait faire. Ok, coffre. Il y a un deuxième coffre, Percy. Mais monte Dans la cabine, il y a un deuxième coffre. Ouais. Attention, il est reparti, là. Merde. Jérôme. Ah, tu vois. Ils sont en train de couler, y'a rien au fond. Ah, y'a pas l'air d'avoir grand chose. Des planches. Ok, bon, il a pas vu. T'as trouvé un coffre. Moi j'en ai trouvé. J'ai pris aussi le deuxième du coup. Merde, on part vachement vite. Il est où notre bateau? Il est là. Ah, un petit coffre d'aventurier. Ouais, j'en ai un aussi. Il a l'air d'avoir rien d'autre. De toute façon, il va couler, il est en train de couler là. Ouais, il est en train. Oh merde, ça m'a TP. Je me suis coincé. J'ai spawn dans le navire du collègue, je crois. Ah. Ah ouais, je crois que je suis dans l'autre navire. Non, moi je suis bien dans le nôtre. D'ailleurs, on prend l'eau. Pourquoi on prend l'eau? Un truc quelque part? Non. Ah oui, là. Sur moi qu'on tire, là? Non, c'est moi qui tire sur eux. T'inquiète. Je suis sur leur navire, en fait. Comme je t'ai dit. Bah, le mec est venu mettre une caisse aussi ici. Spawn où? Sans mob, trop cheaté. Ouais.
Ah, là, le deuxième. Je sais pas si je pourrais l'avoir. Allez, je tente. Viens. Allez. Oui, je suis dessus. Il est en train de couler. Y'a rien là, y'a un coffre là. Il l'a pas pris. Merde, il a pas pris le. Il est où? Il me dit pas qu'il a redescendu. Il est reparti et il y avait deux trucs à prendre. Ah non, il est en train de se servir des canons du navire. C'est le nôtre ça. Hein. Ah, c'est le nôtre. J'ai trouvé un coffre dans leur machin. Non, c'est pas le nôtre, mais c'est pas grave. Pas l'affaire. Merde, je l'ai raté. Aïe. Est-ce que je vais pouvoir taper celui-là? Voilà. Non, c'était le nôtre. C'est juste qu'il y avait un de nos potes dessus. Ouais. C'est bon, bah je suis sur l'autre bateau du coup. Il a un coffre maudit, pas mal. Je vais regarder s'il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait plus rien. Je dois d'être pour la réparation. Bah, je suis plus sur notre bateau là. Bah, je suis pas sur quel bateau je suis, mais je le répare comme si c'était le mien. Je sais pas non plus. Je vois plus aucun bateau moi autour de moi. Ah si, là. Bah là, le bateau où t'es. C'est bon. Y a Melon qui a rejoint le bateau et moi je suis derrière. Ok. Ah bah c'est notre bateau. D'accord. J'ai ramené du coup une caisse de marchandises ou je sais pas quoi là. D'épices exquises. Voilà. Parce que leur bateau il fait des ronds. Ouais. Ah bah il vient de couler l'autre, c'est bon. Ah, on va les déposer, on va remonter là. Ouais. Il est où leur bateau? Ils faisaient des tours près du rocher. Ok. Vas-y, prends la barre. Vas-y, il faut de la voile. C'est à fond. Vas-y, retourne. Ah, mais il y a l'autre qui spawn de toute façon. Nord. Ouais, pour leur bateau. Ouais. Ouais. On va leur récupérer leur bateau. Faut aller dans l'autre. Ouais. Mais il tourne en fait. Vas-y, commence à braquer vers la gauche. On devrait tomber dessus sans trop le heurter. Ah, ça va être compliqué là. Ouais. Ah, c'est bon. Tombe dessus. Sorry. Ah, y'a le troisième qui nous argent. C'était juste. Y'a un coffre là. Vas-y, Percy, prends les commandes. Ok. Y'a un coffre juste là. Je l'ai réparé, mais je suis pas sûr. Il est où ce putain de coffre? Je l'ai vu. J'ai jeté l'encre du coup. Ah ouais. Ah, il est là. Bon, je l'ai. Cap d'aventurier. Y'a un crâne aussi. Essaye de venir, y'a un crâne. Ouais, faut que je répare avant. Ok, c'est bon. Dans la direction où j'approche. Des bisous, c'est pas drôle, merci pour le follow. Passe quand tu veux. Dans ma direction, plus loin, y a un crâne. Ouais, je l'ai vu. Putain, la Bérésina, quoi. Chier, les connards, ils nous laissent tout stocker dans notre navire, les connards. Trop de surpoids dans le bateau.
En même temps, on est les plus rapides. C'est ça, ok, ils sont en train de faire. Ah oui, il a mis le coffre maudit ici. Ouais. Vas-y, tu peux relever l'encre. Non, je monte. Hop là. On va essayer. Fight. Bah là-bas. Là-bas, ouais, on y va. Il n'y a pas d'autres loot qui traînent. Eh, il coule. Il coule le dernier. Enfin, le dernier. Ouais, ils vont aller prendre le loot. Ouais. Ils vont le faire. On va baisser un peu la voile. Pour voir où est le prochain. Ouais, faut ralentir un peu. Voilà, mi-voile. C'est un coffre qui rend bourré. Ouais, c'est un coffre maudit. On a fini d'écoper. Ok. Ok, le blanc. Ah, sort à gauche. Et à droite aussi. Il est prêt, celui à droite. Ah oui, non, il est devant. Mais il est en face, quoi. Faudrait que tu te rapproches. Ouais, je fais un virage à gauche, là. Je fonce dessus. On n'a pas de baril. Non mais le but c'est que je monte dessus. Abordage. Ouais. Merde. C'est bon, j'ai réussi à la choper. Plus dessus, alors y'a quoi? Là y'a un crâne. Un crâne hein, toujours. Ouais, je regarde ce qu'il y a en dessous. Rien. Y'a un deuxième crâne. Ok, ok. Je suis en train de remanœuvrer, je reviens dessus. Je vais les mettre sur le pont du bateau donc ils flottent. Et en dessous il y avait quelque chose ou quoi? Salut Artesio, comment tu vas ma poule? Artesio. Alors t'es où? Vas-y monte. Non mais j'ai le deuxième crâne aussi. Ouais, oui, tu... Jette l'encre, jette l'encre. Ça va toi? Putain, il est où le crâne? Tu l'as pris? Ouais, ouais, c'est bon, t'inquiète. Nickel. Je t'ai capturé, je voulais pas te déconcentrer. Non, mais t'inquiète. On va dire qu'on profite d'une faiblesse du jeu, donc c'est assez facile. Par contre, je vois pas où est où t'es toi? T'as redécollé? Moi? Ouais. Je suis dans la cale, en train de réparer. Oui, mais t'as pas jeté l'encre? Non, 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 non. D'accord, bon, je me dirige vers le deuxième, il a pas l'air d'avancer très vite, je sais pas si je vais pouvoir le choper. Normalement, je devrais pouvoir... Ouais, je vais pouvoir le choper le deuxième, là. C'est bon, je suis dessus. Il est déjà en train de full couler le machin. Ok, j'ai une caisse de marchandises. Putain, il y a un coffre aussi. Allez, je tente le coup pour y aller. Allez. Ah putain, je suis glitché dans le bateau, je suis mort. Ah non, j'ai été TP. Ouais, bon ouais. Bah allez, vas-y pose l'encre, de toute façon il va spawn. Ouais ouais, j'ai jeté l'encre, t'inquiète. Ah oh, merde. Non mais c'est pas grave, de toute façon on peut les sauter donc. Ouais ouais, non mais c'est juste que... C'est con, ça m'a gêné. Attention, on prend l'eau. On prend l'eau là? Ouais. Il est où le trou? Ok, j'ai. Ah ça respawn déjà, attends, on loot d'abord hein. De toute façon, on est trois, ils vont démerder. Alors. En vrai, on tient beaucoup mieux la cadence en bois là. Hein. C'est beaucoup mieux. Ok, j'ai le crâne. Spawn. Ok, il spawn là. Spawn à droite.
YOLO. J'ai réussi à monter dessus. Tout à fait d'accord. Hop. Mais fais gaffe, toujours à, juste à côté de toi, il y a du loot de l'ancien bateau. Ah mais t'es dessus aussi toi, mais putain. Quelque chose ou pas? Ouais, là il y a une caisse. Descends. Ok, là il y a que tout en bas, il y a que dalle. Là il y a une caisse de marchandises. T'es avec toi, ouais. Et il y a un coffre là. Je mets tout sur le pont. Hein. Ouais, vas-y. Tu t'es arrêté ou pas là? Deux. Ah toi tu t'es arrêté ou pas? J'ai arrêté, ouais, j'ai arrêté. Faudrait qu'il coule vraiment là, vas-y coule mon gars. Est-ce que tu peux me rejoindre? Ouais, je répare. Moi je suis en train de couler là. Ah là j'arrive. Je sais même pas où t'es en fait. Ouais. Non plus. Ok. Je sais pas de quel bateau c'est le mien. Je vais faire de la ding ding. Ok, bah, donc là t'es pas arrêté. Non, je suis reparti là. Ouais, ça faut que tu me le dises. Il y a un bateau qui coule là, ça doit être toi. Ah ouais, là où y a un coffre on encore. On est en train de braquer dessus. Ah, je te vois, je vais essayer de te choper. Je vais essayer de te choper au passage. Le rendu de la mer est super bien fait, les vagues, etc. Ah ouais, non. Attends, je vais te choper. Paf, je suis dessus. Je jette l'encre quand même au cas où. Ouais, il reste juste un coffre. Il est où? Dans l'eau. bah, normalement, il était sur le pont du bateau, alors on devrait pas être. Ah, il a peut-être remonté parce que à tous les coups, il a. Tu sais. Il a coulé avec. Ah, c'est réussi. Ah, là, victoire. Bon, je le vois. Bravo, pas. Les amis. Non, je le vois pas. Magnifique travail. Je le vois pas. Hein. Non, bah laisse tomber. Bon, c'était un code d'aventurier. Ouais, vu ce qu'on a. C'est bizarre, je l'avais mis sur le pont pourtant. Attends, il y a peut-être un truc là-bas, non? Ouais, mais il va peut-être remonter, hein, petit à petit. Non, il y a mais l'autre, il est. Hein, sinon, celui près du rocher qui vient de couler là, on va peut-être récupérer celui-là. Vas-y, au pire, vas-y, on l'avance. Non, parce qu'il était. Je l'ai mis sur le pont, donc. Il aurait dû apparaître très vite. Quoi? Ça relance? Non, bataille terminée. Ah, oui, ok. Non, j'ai eu peur. Je te laisse guider, hein, c'est toi qui sais où c'est. Hein. Ouais, c'est juste derrière. Là où ils sont tous. Ils ont déjà du tout récupéré les. Ouais, au pire. On a déjà ce qu'il faut pour travailler là. Ah ouais, on a déjà. Je vais aller compter là. Alors. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 crânes. Oh là là. Il y a 4 caisses de marchandises. Il y a 3 coffres et un coffre maudit. C'est quoi à droite là? Là. Ouais, il y en a un là. Oula, ouais, il y en a plusieurs même. Ouais. J'ai jeté l'encre comme ouais. Au loin. Ouais. J'ai pas hésité. Putain, y'a pas un coffre maudit là? J'ai cru voir un truc. Y'a un crâne, y'a deux coffres, y'a une caisse de marchandises. Mais non, ça coule, j'ai ça regardé, coule. J'ai vu que pas des... Non, ça coule pas, ça va. Prends le crâne. J'ai vu que c'était pas des barils à la con. J'ai pas hésité une seule seconde. Mettre sur le pont à l'arrache parce que j'ai peur qu'il coule. Ouais, il est où? Je vois pas. J'ai le coffre de Captain Squelette. Nice. Okay. Je vois pas où. Putain, c'est en train de couler. Parce que c'est en train de couler. Merde. Alors, normalement, quand ça coule comme ça, si ça a pas été résolu comme bug, tu les prends, tu les relâches et ils vont reflotter. Ok. Hop. Normalement, ils reflottent. Je sais pas si ça marche. Ok, ça a pas l'air de marcher. Si, ouais, il si, remonter, il remonte, hein. Il remonte, ouais. Ça reset, ouais, son cooldown. Ouais, mais pas longtemps.
Alors, pas longtemps, mais bon, ça me permettra de revenir dessus. J'ai pris crâne hein, en priorité. Je vois pas les autres. Ah si, ouais. J'ai pris le coffre de le coffre en or. Bien joué. Il reste encore un coffre, je crois. Je vais essayer de voir si je peux pas le récupérer, et puis sinon, bon, c'est déjà pas mal. J'ai mis tout sur le pont. Moi. Ouais, il est remonté, hein, j'y vais. Ouais. Je vais le prendre. Ah, il y en a qu'un ? Ouais, ouais, y en a qu'un. Ouais, vas-y. Attends, on a failli passer à côté de ça, j'ai bien eu, j'ai bien eu l'œil. Ouais, bien joué. C'est l'argent. Plus, il est... l'argent. C'est l'appel de l'argent. Bravo le vent. Ah ouais, bravo le vent. Putain, c'est... Il est blindé, la soute est blindée. Les putains de blindés. Ils sont en train de faire le dernier, non? Ouais, c'est bon, ils l'ont fait. Ouais, c'est sûrement en train de... Alors, l'avant-poste le plus près, c'est Est. Je vais leur dire, on go revendre. On cap à l'Est, les amis! Nous allons tout revendre! Je vais leur dire sur qui on va. Sur Plunder, il demande. Non, c'est moi qui dis sur Plunder. On va revendre sur Plunder. Ah, c'est ce qu'ils font aussi. Hein. Ils ouais, ils viennent aussi. Là, tu fais demi-tour. Okay. On peut mettre full voile si c'est pas fait. Ouais, on peut mettre full voile. Hop. Et donc ah ouais, par contre j'ai pas gagné les pièces bleues. Ouais, mais peut-être que c'était juste le premier, il faut faire les trois maintenant pour avoir les pièces bleues. Ouais, attends, je vais regarder. Non, il a pas été validé hein. Ah bon? On a pas refait la même comme des cons. Normalement non. Vous avez vaincu l'équipage du... Si, on a fait la même, on a fait la même. Ah d'accord, voilà pourquoi. Ouais, on a fait la même. Après on farme bien quoi. Ouais mais bon, farmer, tu fais les quêtes et puis c'est pareil quoi. D'accord, tu regardes pas où tu vas, Percy. Bah non, je regarde pas, non. J'étais en train de regarder le plan. Tu m'as demandé est-ce qu'on a refait la même, j'ai regardé le plan. Ophi qui revient. Alors tu t'es perdu? Tu l'as perçu au fait. Ces yeux te font un coucou. Ah voilà un modo de l'ombre qui est là. Coucou Snarit. Là tu as pas un trou. Bon ça va, y'a pas de trou. T'en as un là, l'autre. Il est resté là-bas, l'autre. Il repart par full. J'ai l'impression qu'il est reparti sur Golden Sands. Je vais être trop décalé si je dors maintenant, mais si je dormirai ce soir. C'est pareil, je sais, on doit être à. On doit être un truc comme 7 heures de live. 17 heures, il me semble. Et encore, on a commencé à jouer un peu avant. Ouais, vite fait, ouais. Montre le butin, s'il te plaît. De notre bateau, parce que le butin, il est... Là, on est trois navires dans l'Alliance. C'est juste donc, un je sais pas navire. Donc, je sais pas ce qu'ils ont récupéré. On a récupéré ça. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 caisses. De marchandises. On a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 crânes. On a 1, 2, 3. On a 3 3 coffres d'aventurier. On a 2 coffres de maraudeur. On a 1 coffre de capitaine. Et on a 1 coffre maudit.
Voilà ce qu'on a eu. Mais en fait, on n'a pas fait gaffe, les mecs nous ont refait jouer le même event au même endroit, donc on n'a pas de succès supplémentaire, on l'a juste refait une deuxième fois. Ouais. Et j'avais pas fait gaffe. Bah, le truc, c'est que ouais, il y a que ici qui spawn sans. Alors, le coffre maudit, il vaut cher, il est rare, le problème c'est quand tu le chopes, t'es bourré. Ouais. Là, voilà, t'es bourré. Voilà. Alors c'est un des coffres maudits, il y a un deuxième coffre maudit, c'est le coffre pleureur. Et quand tu le chopes, Tu fais couler ton bateau. Ouais, en fait, le coffre, il y a un visage sur le coffre et il pleure. Et il fout de l'eau dans le bateau et c'est assez aléatoire. Là, lui par exemple, il a un crâne. Il a un crâne aussi. Je sais pas ce qu'ils ont. Mais eux, visiblement, vu la peinture de leur bateau, leur voile et leur drapeau, ils ont déjà buté, en fait, les trois... Eux, à mon avis, là, ils le font pour le plaisir de farmer, là. À mon avis, ils ont juste refait 20 fois la même event comme nous, là. Donc, parce que, évidemment, comme on a refait la même, on s'est retrouvé encore avec le glitch où il n'y avait aucun squelette sur les bateaux. Et... Donc, en gros, c'est t'en as un qui tirait un ou deux boulets pour le couler... Et tout de suite, on rushait les bateaux sans attendre qu'ils dépopent pour récupérer le loot. On allait piquer le loot directement dans le bateau. Donc ça a été très easy, en fait. Hein. Ça a été surtout encore la pression sur où est le loot, une fois qu'il est dans l'eau, pour pas le paumer. Ça fait 7 heures que vous êtes sur le live toute la nuit. Oui, le sommeil est en option pour cet argent. C'est vrai que je dors jamais. Enfin, en tout cas, je ne dors pas la nuit. Et je dors, je dois dormir 2 à 3 heures par jour. Ou des fois pas du tout, ça dépend. Après moi j'ai l'avantage de travailler chez moi donc je suis pas. Et à mes propres horaires donc je suis pas obligé d'aller me. Je suis pas obligé de pointer à telle heure. Un truc que je pourrais pas faire si je reprenais un taf de salarié. Ce qui d'ailleurs va peut-être pas tarder. J'ai mon ancienne boîte qui m'a appelé, ils ont besoin de quelqu'un là pour cet été. Et comme j'ai de bons souvenirs, je pense que je vais accepter. Et là je ferai plus, parce que là c'est une boîte industrielle donc c'est des horaires d'équipe et là je ferai plus la même histoire. Mais... Ouais ils ont fait un créneau, nickel. C'est nice. Et donc là voilà, donc là on va palper trois fois, au moins trois fois ce qu'on a nous récupéré parce que ça va être partagé dans toute l'alliance. Paf! Il est où c'est le décrane? Il est là-bas. Ah, donc là ça va popper dans tous les sens. Enfin, en tout cas, au moins sur nous deux, parce que le troisième est parti à un autre avant-poste. Nico, comment il va être dégoûté quand il va prendre ça? J'avoue. Quand je vois qu'il a galéré, enfin, on a galéré à deux. Il va me dire ouais mais vous avez refait du navire et tout. Je dis écoute bon faudra regarder l'objectif. Tout à l'heure on a regardé tous les deux seulement. On en avait niqué 22 des navires squelettes. Non les prix sont pas divisés, ils sont doublés. Tu reçois la même somme que si tu vendais tout seul. Sauf qu'elle est elle est dupliquée sur tous les membres. 1700. Ah, j'avoue ça rapporte. Et là un 700 là. Justement il y a un viewer tout à l'heure qui a demandé ça. Et on a vérifié. Et les sommes étaient correctes par rapport à ce qu'on vendait, donc c'est effectivement c'est bien dédoublé. Voilà, exactement. C'est les mêmes pour tout le monde. C'est même pas lié à ce qu'on a fait durant la bataille. On peut très bien avoir un membre de l'alliance qui est complètement à l'autre bout de la map, qui est en train de faire quelque chose d'autre. Il recevra quand même l'argent et la répute. Oh là là, l'argent qu'on avait tout la flotte. Là j'avoue, c'est la première fois que j'ai autant. J'ai autant en une seule fois sur mon compte dans une seule session, ouais. C'est ouais. Là, voilà. Quand le jeu est sorti. Non, quand le. Ah, c'est Bad Roll qui revient. Mais t'es pas parti te coucher non plus, toi. Il est venu voir le résultat de notre conquête. Il arrive au bon moment. Je crois que le maximum pendant la bêta, c'était ouais, j'ai dû avoir 10 000 sur moi, pas plus quoi. Et là, on est déjà à 35 000. Alors lui, il va revendre. On va le voir. Il va revendre. Paf. Hop, 122.
Ouais, 122. Merde, c'est pas lui, je comprends. Monter la réputation qui arrête pas de monter, quoi. Voilà, la réputation qui va monter. Alors ça, on remercie Rare d'avoir amélioré ça, parce que on se rappelle dans les bêtas, quand on vendait des trucs trop à la chaîne, le jeu s'actualisait pas, ou les pop-up arrivaient 20 minutes après, et du coup t'étais obligé de relancer la game pour voir ton niveau évoluer. Donc maintenant, heureusement, c'est réparé. Donc là, évidemment, c'est que du plaisir. Hein. Ah là, c'est les meilleurs moments. Et puis, on est surtout tombé sur de bons camarades. T'as revendu le coffre maudit ? Non, pas encore. Ah putain, laisse-moi le revendre. Vas-y, oui, pas de problème. Je vais le revendre. Ou à moins que tu vas aller la revendre. Juste non, qu'on voit combien. Je veux juste voir comment tu fais. Combien ça palpe. Ah non, mais tu le revends au même endroit. Non, mais je sais, je veux juste te voir. Voyager. Ah oui, avec... du coup, ouais, ça va être la merde. Ouais. C'est sûr, tout ça. Même comment tu vas nager avec et tout. Je veux juste voir combien on palpe. C'est un des coffres qui vaut le plus cher. Enfin, c'est le coffre qui vaut le plus cher. Avec le pleureur. Alors, il est. Ah bah, si, il est déjà parti. Ah oui ? Oui, ils l'ont déjà vendu. Ah non, il est là. Voilà, oui, là, ça va être terrible. Ouais. Allez ! Parfait. Tout bourré. Donc là ça va être compliqué, je peux même pas sprinter. Voilà, et allez, là tu vas y arriver. Là c'est bon. Allez. C'est vendu. Bravo. Un petit 963, c'est pas foufou mais c'est déjà par rapport à ce que rapportent les coffres dans le jeu. Oui, pour un qui rapporte entre général 100 à 300. Le vendre 1000, c'est déjà énorme. C'est déjà pas mal. Hein. Surtout que là, on est dans le bas de la fourchette. Je crois qu'il peut monter jusqu'à 2500 hein, pièces, hein, ce coffre-là. Là, on est vraiment dans le bas. Hein, coffre de capitaine qui vaut aussi un petit bras. Hein, qui vaut bien celui-là. Hop. Un petit 794 quand même pour un coffre qui est même pas maudit. Voilà, c'est les prix des coffres quoi, à peu près, enfin des bons coffres quoi. Ah, moi, il manque en plus de faire des raids avec vous aujourd'hui. Sans problème, Ophi. On se rajoute en ami et plus on est fou. Et on fera une alliance tous ensemble et quand tu veux. Plus on fait de fric. Alors là, mais là tu vois le bon côté, là tu vois c'est peinard, à chaque mec cove il n'y a pas de PNJ. Mais si on. Nous faut qu'on fasse les deux autres pour valider l'event. Là ça sera moins marrant déjà. C'est vrai. Mais c'est faisable. Nous on a quasiment réussi à 99% à 2 sur un bateau. Donc à 2 bateaux ou 3 bateaux en alliance, c'est large. Ouais. Faut juste qu'on se stuff bien dans un fort avant. Ouais, voilà. Prends masse boulet, masse planche, ouais, voilà. Et on est parti. Et masse boulet, explosif. Masse, bon, je vais vendre le dernier. Lui il va regarder si on n'a pas... impeccable, vous avez donné un coffre à un autre équipage où il vous l'a volé puis il l'a échangé. Succès débloqué. Salut Artesio, des bisous, ouais. Merci d'être passé. Bon, c'est cool, il y a des squelettes. Ah oui, c'est mieux quand il y a des squelettes, ça rajoute plus de challenge. Donc là c'est bon, on a tout fait. Ouais, je crois que c'est bon, on a tout. Je vais juste aller voir... Putain, ça continue à pleuvoir. Ils ont pas fini de loot. Sachant qu'on a le troisième navire, qui lui est pas là, et qui lui n'a pas encore vendu. Je pense que là, c'est eux qui sont en train de vendre. Oh là là. Coffre de capitaine squelette. Voilà, là, c'est eux qui sont en train de vendre. Le troisième bateau, qui est pas ici. Là, et ça nous rapporte aussi. Alors là, on voit que les pop-up d'argent et tout, ils arrivent pas à s'actualiser, là. L'XP monte. Oh, ils avaient un coffre maudit aussi. Alors que je suis en train d'améliorer les... Oh là là, boucanier d'or. J'ai monté 3 niveaux de trucs là. Ah non, c'est peut-être les pop-up de vente à nous qui ont pas eu le temps de spam. Ah, je suis passé niveau 20. J'ai amélioré toutes mes quêtes là. Niveau 20. Ah, niveau 15, mais les caisses de marchandises, on en chope beaucoup moins. Salut, ouais, tu veux quoi? Alors, je vais regarder si je peux pas passer en haut level chez elle. Ah, je peux passer en haut level. Paf. Voilà. Ah, je peux pas plus. Je suis niveau 13, il faut que je sois niveau 15. Je vais aller voir là-bas. Je vais aller passer en level là-bas aussi.
Avec les crânes, faut voir ça avec les crânes. Can I interest you in some gold? Elle, voilà, lui. Ah. Tu peux même acheter le niveau 25, non, tout de suite? Non, pas tout de suite. Ah non, ah, niveau... quand même mythique, hein, quand même. Non, comment ça se passe dans le jeu? Tu lis les cartes à l'envers, tu oublies de prendre des soins sur toi, tu tires sur tes potes, tu galères pour te mettre à couvert, ou tu es un navigateur d'une de snow? Je suis un navigateur d'une de snow, évidemment. Est-ce que toi je peux passer au level? Hop, acolyte. Nice. Après, ce sera niveau 25. La torche, je l'ai déjà, je vois pas pourquoi je la rachèterais. C'est des âmes notables. Et moi, c'est laquelle la mienne? C'est laquelle la mienne? Niveau 20, niveau 20. Salut Faliceas qui revient. T'étais parti, tu reviens. Lol. Ah, Faliceas, il me semble, c'est un streamer anglais, non? How are you, Faliceas? Falices. c'est un anglais, il me semble. Et c'est en train de spammer les niveaux. Là, on a pris quasiment 10 niveaux. Ouais. Sur là. C'est mis bien, quoi. On s'est mis pas mal. Et donc, on a démonté déjà. Qu'on regarde combien on a démonté de navires sur les 50. On a démonté un paquet. Hein. On en a démonté 30. Moi, je serais pour qu'on refasse. Hein. Le même? C'est le même, ouais. Oh, c'est chiant. Bah, oh, dans le monde de niveau, on gagne énormément d'argent. On va customiser notre bateau. C'est pas comme si... Là, je suis à 42 000. Hein. Bah ouais. Déjà, là, tu pourrais nous prendre une coque de bateau. Là. Non, c'est 49 000. Pas 39 000? Non, 49. Merde. Non, mais moi, le but, c'est pas que j'achète une coque. Hein. C'est qu'on débloque l'objectif pour que j'aille acheter la... Par contre, là, j'achèterai la coque premium qui sera plus là dans une semaine ou deux. Sure, I'm here for you. Il y a la coque chasseur de squale qui est plutôt sympa. Après, tu vas me dire, c'est pas le même système de monnaie, donc je peux acheter une coque ici et acheter l'autre plus tard. Ouais. Mais le truc, c'est que si jamais tu joues pas avec moi, t'auras pas la coque. Bah oui, non, mais c'est pour ça. Tu vois, c'est 49 000 hein, minimum. Hein. Chez le tailleur. Donc pas grand chose. Hein. Acheter l'équipage, je me sens pas très bien. Je vais leur demander. Ils parlent pas, les mecs. Allô? Au secours. Non, ils parlent pas, ils ont pas de micro, je pense. En plus, ils parlent que par onomatopée, donc. Parce que là, du coup, lui va me dire va te faire, t'as pas l'objectif, c'est ça. T'as pas la promotion des conquérants. Qu'il faut qu'on bute les deux autres. Toi, tu me dis quoi, toi? On peut leur proposer toujours de faire les autres. Pour avoir 15, il faut déjà faire bien, mais revenez quand vous serez à 20. Ah oui, c'est parce que je suis pas à 20 sur le marchand. Je sais pas, ils répondent pas. Ils sont peut-être partis faire une pause, justement. Ah, je sais pas. J'ai déjà allé changer mon titre. Merde, c'est pas notre bateau, ça. Et où le nôtre? C'est chiant ce sans micro aussi. Bah pas quand ils parlent. Quand ils chattent. Là le problème c'est qu'ils chattent pas en fait. Ils mettent que les ils mettent que ça si tu veux. Ils mettent que les réponses. Non pas ça. Ils mettent que ça en fait. Ils mettent que tu vois genre ça. Voilà, bien joué. Donc quand tu leur poses une question ils peuvent pas vraiment répondre texto. Alors sur Xbox je pense que c'est des joueurs Xbox. Parce que sur Xbox je pense que ça doit être assez chiant de taper là-dedans. Ah, quoique, tu vois, il y en a un qui a réussi à taper des lettres. Ça doit être long. Ça doit être long à faire, en fait. Donc, je vais juste changer de titre, du coup. Pas là. C'est pas là. C'est ici.
Alors, je vais mettre le titre de protecteur, comme eux, ils ont. Parce qu'on avait bien déverrouillé la zone des anciennes Isles. Ancient Isles. C'est dur à dire Isles. Enfin, Isles. En anglais. Isles, tu vois, c'est dur. Ancient Isles. C'est chiant à dire. Pourquoi ils ont foutu un S à cet endroit-là, mais. Donc les mecs ne répondent pas. Non, mais ils me vomissent dessus. Ah bon. Toutes mes excuses. Ils s'excusent. On va voir ce qu'ils ont dans leur bateau. Mais... Regarde ce qu'ils ont quand même que... Mais... Ils ont rien. Non mais de toute façon le truc est simple, c'est que je vais regarder... Ouais, regarde, c'est simple. Pour être sûr que ce soit ça, parce que moi il me semble bien que c'est le skin que t'as débuté. Je vous aime. Voilà, c'est un losange dans un autre losange. Blanc, sur fond, pourpre. Donc si je vais voir le mec... Et que je lui dis... Qu'est-ce que t'as à vendre? Alimenter le feu plutôt. Ah non, c'est pas le même, c'est pas le même icône. Ah et donc non, ils ont pas ça. Et oui, le manque de tech, faut attendre la grosse Bertha pour avoir un cobbling et pouvoir causer à toutes ses alliés. Lol. Elle est en train de gerber partout ce con. Bah oui. Moi je vais danser. Ah, il est... Oui, du coup, il... bah évidemment, il fait de la musique bourrée. Ah oui, d'accord. Il m'a gerbé dessus. Eh hey. Ah, il m'a gerbé dessus l'enfoiré. On va bien voir où sont les autres en fait. Là je pense qu'ils attendent la date, non? Je sais pas. Merde, j'ai bu comme un con. On est 18. C'est du 1 au 11. Non, du 1 au 10. Du 11 au 20. Bah si, on, il pourrait aller le refaire si vous voulez. Merde, je suis comme un con, je suis trop... Son bateau est prêt. Hop. Alors, ils sont où les autres? Ah bah ils arrivent. Les autres, ils arrivent, hein. Que je me plante pas. On part là normalement, je crois. Et je fais un petit saut au taf pour dépanner, j'en passe plus tard. Des bisous à Snarit. Bon vent. Bon, c'est con. Je suis con, non, ils sont du côté droite, ils sont par là. Faudrait en fait, faudrait qu'on communique genre enfin, je vais venir communiquer là, qu'on sache ce qu'on fait. Bon les cons. Allo, si tu m'entends, saute une fois. Bon, il n'entend pas. Ah attends, c'est parce que c'est le chat de... Si tu m'entends, saute. Ils entendent rien. Très bien. T'as validé. Sèche ses larmes. Dévaliné. Et B, nos potes, le troisième bateau de l'Alliance, il arrive de... Genre, il est mort de rire. Normalement, il arrive de par là. Comme c'est beau. Où les troisièmes? Là-bas, non? C'est ou pas? Ouais, c'est eux. Les troisièmes sont là-bas. Un peu de planche. C'est ça, on est à 7h17 de stream. On a plus beaucoup de boulets, hein.
plus trop masse boulet quoi. Il m'a montré la date, ils sont prêts à partir. Genre pour me dire c'est l'heure, on y va. Ah putain, ils refont le même quoi. Ouais. Ils sont chauds. Moi franchement, voilà, je m'amuse. Hein, franchement. Petit panneau. Donne du fric. Je suis content. En plus, on joue avec des bons camarades. Ah, qui parlent pas. C'est pas si souvent, oui, mais bon, qui parlent pas, à la limite, je m'en fous. C'est déjà, ils nous attaquent pas, quoi. C'est déjà bien. Ok, je suis prêt à y aller. T'es là ? Ouais, t'es pas là. Mmh. Ouais, je suis venu. T'as vu ce qu'il nous reste comme boulet? Non. On a peut-être dû faire le plein. Bah ouais, 46, là j'en ai rajouté. Pas ouf, hein. Bon, après, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Allons au nord-ouest. Nord-est, nord-ouest. Ah. Nord-ouest? Normalement, le. La zone, elle est. C'est. Ah putain, mais attends, on est dans quelle zone là? Ah non, on est dans les anciennes Isles. Bah, la zone, c'est. C'est Sharkbait Cove. Donc c'est. Non, c'est sud-ouest. Mais ils veulent aller au nord-est, donc on les suit. Ah putain, on a tapé. Là, c'est lui. Ils vont. Ah mon bateau, mon bateau. C'est mon bateau. Mon bateau, c'est mon bateau. A plus Sophie. À dans un quart d'heure. Lol. Ou 10 minutes. Ou 10 minutes. Nord-est ou nord-ouest alors? Bah je sais pas, on les suit. On va pas dans la même zone. Hein. Kappa. Kappa, hein. N'hésitez pas, hein. On va mettre les kappas. Casse-toi, gros moche, kappa. Oh, j'aime trop cette zik. Prends le kappa. Hop, on va mettre de la voile un peu. Incroyable du cul. Quel bon jeu. Mmh.
Oh là, c'est un peu faux. Hein. Oula. Jusqu'à la fin, ça doit être stylé. Magnifique. C'est oh, super. Regarde, il y a un boulet qui a été tiré tout en haut. Ouais. Chelou qu'il est aussi haut. Bah, tu sais, les canons, on peut les mettre très haut. Hein. Ah, mais là, quand même, c'était vachement haut. Regarde. Ah, ouais. Ouais, je pensais pas qu'on puisse faire ça. Il est pas, hyper... il est pas encore retombé. Hein. Bef. Voilà, paf. Chia. Chia, 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 chia. Alors où va-t-on? Je vais regarder. Ah ouais, merde, le plan. Je vais essayer de le repositionner. Alors on va à l'autre event, hein, je pense. Clairement. Ouais. Ouais ouais, on part vraiment au nord, nord-est, hein, vraiment. Je sais plus où il était cet event là, mais on... Ah, je vais te le dire. On va le faire pour de vrai là. Ici. De The Wild, alors The Wild, il est à l'est de Marauder's Arch. On est plus très loin de ça. Ou au nord-est, je sais plus. Il est autour de Marauder's. Okay. On n'est pas à côté encore. Ouais, ouais, ouais. Pipe et jambe de bois. Pipe et jambe pas le... de bois. Bizarre, je vois pas le vent, moi. Tu vois pas le vent? Je vois pas, plus, je vois pas les traits, ouais. Ouais, je vois pas non plus. Bizarre. Peut-être à cause d'avoir changé. Les graphismes? Ouais, peut-être. T'as dû déconner. Bon, on a plus que 20 bateaux à niquer, on a un au fait. Oui. Putain, on a déjà niqué 30, quoi. C'est ouf, hein. J'en ai pas niqué avec Nico, donc c'est qu'avec toi. Ah oui, bon, bah voilà. Tout un art, hein, d'avoir tiré au canon. C'est ça. Ouh, c'est bien sombre ici, hein. Ouais, il y a une tempête. La tempête qui va se lever, d'accord. La tempête. Tempête du cul. Pipe et jambes de bois. Croquette basta.
point, point, point. Les jambes de bois. C'est de garder le vent pour nous. Mais ils vont à... Ils vont à l'avant-poste de Galleons. Ils vont peut-être se refaire la fraise là-bas et après repartir à l'attaque. Peut-être, ouais. On y suit. Là, il vire de bord. Ouais. Il va à mon poste. C'est ça, il va dessus. Ouais. Il y a déjà un navire. Il va peut-être l'inviter encore. On va être 4. Ouais, sûrement. Ça va être bien. Attention, si on est nombreux, c'est mieux hein, pour faire le bon temps. Déjà qu'on s'en tire très bien à deux. Si on est plein. Je sais pas s'il y a une limite de bateau dans une alliance. Je sais pas. Prêt à jeter l'ancre si jamais. Ouais. Okay. Merde, les travaux. Les travaux. Oh là là. Attends. Ça va être la fin du stream. Je vais augmenter un peu les le Nosgate. Attention, il va falloir y aller. Il va falloir activer le... Ouais, tu me dis, hein. Maintenant, je pense. Enfin, ou bientôt, quoi. Ouais. Il se bat. Do you hear me? Yeah. Friendship. Ouh, va le coffre de ah bah c'est ça un coffre du chagrin, c'est ça. Le titia il dit tout. Oh là. Tant pis, pas de navire en plus dans la chance. Qu'est-ce qu'on fait ici du coup, les gars, Et là, quand tu parles pas avec la corne. Et ils reviennent. Ouais, sans la corne. Friendship. Il tire sur. Il repasse. Il y a un autre navire là-bas. Il tire sur. Sud-ouest. Enfin, ça ressemble à un navire en tout cas. Ah non, c'est juste. Un truc de fort. Fort, ouais. Ouais. Bah, il coule. Leur bateau, il coule là-bas. Bah, les cons. Oh lol. Huh?
sais pas du coup. Ils sont plus dessus, non? Ils sont sur le bateau là. What happened with your chip? J'ai déjà raté. Incroyable du cul. Plein comme un con. Je vais me vider. Vide-toi bien. Je vais bien me vider sur le. Ah oui. Ah, ma voix coupe pas. Ah, ma voix ne coupe pas. Ah, je sais pas. Enfin, là, non, mais dans le stream, je sais pas. Ah oui, du coup, oui. Pas faux, ça. Eh oui, c'est ça. Bon, je vais vérifier. Je vais vérifier. Yeah, me. Yeah, yeah, I hear you. Oh, hi. What'd you say? We couldn't hear you. What? What? Ah, you know French? We couldn't hear you. Ah, what I said before? Don't know French, no. Okay. We can hear you. I'm asking you what we're gonna do now. And we're gonna go to, like, past Marauder's Arc, and we're gonna do the next one. It's in 2 days, 1 day even. We're gonna do the next score thing, because we only need one more until we can complete it. Okay, we need two for us. We'll do this one and then we'll help you do the other one. You might need to do this one as well, actually, so this is good. Okay. T'as dit quoi? Si j'ai bien tout compris, get my friend to come in game chat. Il leur reste un seul truc à faire. Et qu'ils allaient peut-être nous aider. Enfin, si j'ai bien compris, qu'ils allaient nous aider pour faire les. Deux autres? L'autre. Ouais. Ok, la date 19, ouais, c'est ça. Il disait il manque un jour. Ah non, deux jours, c'est entre le 21 et le 30. Ouais, ça vaut pas le coup d'aller à l'autre, ça va prendre trop de temps. 20 and 30. Yeah. Ici, c'est 21 à 30. Donc, soit on attend, tu dis, au pire, faut on leur dire. On est 19, donc voilà, wait. Wait 21 to Marauder's Arch. We waiting the 21 here? Nah, we look at that. Ah, il veut qu'on. On se barre, il a dit, je crois. Ok. Il lève l'ancre. Ouais, mais je t'attends. Non, mais tu peux la lever là. Genre. Tu l'as vu la vidéo des points culture sur les pirates? Non. Il y a plein de pirates français, ils sont trop la classe. Attends, enfin, y a des tarés aussi, mais attends, c'est stylé. T'en auras dans Skull and Bones. La Buse, c'est un pirate français. Ouais. Ben vas-y, hein. C'est. Enfin, si tu. Tu y a bien ce genre de. J'avais bien aimé sa vidéo, ce qui me saoule dans Skyrim. Ah, elle est bien. C'est trop bien, vrai. C'est vrai. Mais c'est une des plus vues hein, en même temps. Sachez. Celle-là avec les Pokémon, je crois. Du coup, on se dirige où? Est-ce qu'on va dans l'event ou... Là, on va... Je vois pas le truc. Qu'est-ce que c'est? Là, il va direction en bord de map. Faudrait qu'il aille un peu plus. Il faudrait qu'il aille nord-ouest pour aller sur l'event. Et il a l'air sachant que,
Sachant que si on va sur l'event là, il spawnera pas tout de suite parce qu'on n'est pas le 21. Ah voilà, il a changé de cap. Ah mais ça sera pas la bonne heure. Enfin le bon jour. Ouais, mais peut-être qu'il veut juste attendre là-bas en fait. Ouais aussi. Non, c'est à l'est. Oh putain, j'ai oublié de regarder. C'est sûr, c'est autour. Comme c'est à l'est. Your hair. I swear, your hair is the one that's giving me a nose, please. A red shit, nigga. Il nous reste 3 barines. Don't do that. That's we are French. Il y a un mât. Il vient de manger une banane. Il y a un mât en sud-ouest. Je me disais, mais pareil, il aura balancé un boulet cheaté, non? Non, non, il la balance un peu plus haut. Après, non, comment... Oui, bah quoi? Le bateau, il coule en 2-2, là. Ah bah, ils ont peut-être coulé pour autre chose, mais en tout cas, le boulet qu'il aura balancé, ça les a pas touchés, c'est passé trop. Voilà, ça les a pas touchés, on est d'accord. Ouais, ouais, là, c'était bizarre. Ils sont arrêtés là. On va attendre la date. Ah, tu peux jeter l'an. Ouais. Salut Kotex. Elle a mis la radio. Il est au taquet. Sorry, I don't understand you with this noise. I won't stop it. Sorry. Right. We're gonna sit here for a bit. Yeah, yeah, we're gonna wait till the 21st. Ok, c'est ça. Il attend. It might be a while, but we've got nothing better to. Ok. Let's get drunk in the bottom of the ship. Don't drink on the ground, heresy. I'm Scottish and my tank could be constantly full. Ton boy. Ah, tu peux parler normalement, ton micro il fonctionne là non? Ouais, non, j'ai pas envie de parler. Ah. Like a minute. Yeah. T'as dit combien? J'ai pas entendu. 40 minutes non? Well, not like a minute, Jesus Christ, Colin. No, it won't be like an hour, it'll be like... Ah oui, un jour. Sorry. 10 minutes, maybe. Oh, it's coming home is the best, it's coming home. You mean England shite? One day. You're from UK, no? One in game day. I don't know. Why did England complain about not having a lot of trophies? So we've not won a World Cup in 50 years. Have you seen how depressing it has been watching the Scottish national team? Since I've been born, they've not qualified for anything. D'accord. So jumping in the sea doesn't cure your alcoholism.
Or someone throws a bucket of water on you. It's yours. I'm gonna get a bucket of water, Callum. You know your job. If I get a bucket of water, I'm gonna fucking drown. Hold on. You just. Are you trying to get. You just fly and project out and put it on me. Where are you, Paul? Throw it. Throw up on the side of the boat. The big green. Comment on dit, en gros, à votre santé, en anglais. You're welcome. Non, you're welcome, c'est C'est de rien, mais... Bless. Ah, you sober now. Ah, je sais plus. Oh. You missed. Prost. Non, Prost, c'est pas en anglais. I drink for your sake. Yeah. I drink to forget the dead. I drink and also to forget the disabled. Tell him stand still so I can cure you. Sorry for that. You better be. Right. Say cheers. Cheers to you. Cheers. Oh, this is interesting. Let's fill the entire bottom floor with water so we can have a little pool party. Paul, it's freezing cold salt water. I don't. Okay, le troisième il nous rejoint. We're not drinking, are we? If the server wasn't good, there'd be sharks and squids and shit in the water. Yeah, we're lucky we're I don't think you can throw water in your own boat. It doesn't work. It can, because it just fills up really slow. Du coup, les blagues, ils parlent. Ouais. Je croyais que c'était des français, moi. Bah ouais, mais comme c'est des trucs de preset de langage, on pouvait pas savoir. Hein. Ouais, ils les adaptent peut-être à la langue que t'as, toi. Mmh. Enfin, la langue du jeu. Ah, no sign of the storm. Right, is the storm? No, is that it? No. No. Storm today. I'm gonna go glitching behind this big ass fucking rock. Come down to the bottom. Oh yeah, I'll do that. Let me show you how a real man does it, Callum. You petty mortal. Ah oh, vache. Ils sont fait propulser. C'est sûr que d'ici on y arrive aussi. On a pas d'angle. Ouais, aussi loin, je sais pas. C'était quand même un peu loin, il y a moyen hein, en prenant un peu de hauteur. Et la voile. Invisible fucking. Il y a moyen, je pense. T'as relevé l'ancre ? Oui. T'as relevé la voile. Donc, t'as plus qu'à lâcher la voile. C'est pour ça qu'on pivote. Vraiment, on pivote plus là. Hein. Ouais. Merde, on pivote encore là. Ah, c'est bon, je l'ai rectifié en fait. Non, mais faut se mettre dans le même angle. Ouais, bouge un peu à droite. Je vais le faire. D'abord. Hop. Peut-être que là. Ah, trop court. Ah, de pas loin. C'est peut-être un peu plus. Je l'ai rectifié, tu me diras. Wow. Oh, il t'a tiré en l'air. Vas-y, rectifie. Vas-y, t'étais pas tombé dessus ? Non, vas-y, essaye. J'ai pas sauté, moi. C'est l'autre qui a sauté. Et il est tombé dessus, lui ? Ouais, il a dû réussir. Ça donne quoi ? Trop court. Oh,
De pas loin. Que posez donc. Après, il faut choisir le bon moment aussi, tu sais, quand on a ouais, quand la vague est la mer est haute. Ouais. Pas Poséidon là, par contre. Pardon. Comment tu glitches le jeu, quoi. Tu marches sur une surface invisible. C'est ça qu'il disait, fucking floor, thinking invisible floor. Ah, okay. Just flowing above the rock. Et tu peux y monter à pied quand même. No one touches the rock here. Je vais tenter, moi. C'est trop court, hein. Trop court de ouf. Ah, mais tu peux monter là sur le côté. And if the Megalodon spawn. On. This server's completely fucked. No Megalodon on this one. Yeah. It's not even skeletons in the boat. D'accord, Poséidon est juste là en fait. Là, ah, il est à côté, je l'entends. De l'autre côté du rocher. Ah, un peu trop court. Bateau est trop loin. Ah, on est trop loin, ça. Ah, hello. Speed of Alliance. Thought you was an enemy, we got very scared. Ok, voilà le troisième. Thanks to your fucking pork pie, you were about a drone. What, huh? Oh, we are actually. Oh, ah, it was worth it. Yeah, we're gonna wait here until the next one starts. Je reviens sur le bateau. Until the next scores, because there's really nothing else to do. On est toujours le 19. D'heure. Ça va être long à attendre. Hein. Ouais, ça va être très long. Now. Right, you shut yourself out. Ow. Eight. Doesn't work if you go over. You just smack the back of the boat. Yeah. Nah, for me it needs to go down there. 1 second, lads. Il va pas se passer grand chose, hein. Peut-être que tu devrais arrêter le stream, je sais pas. Mais le stream. Bah, les bisous Twitch.